something completely different Oh. blah 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 Voilà, bonsoir tout le monde, je vous laisse vous installer le peinard pendant que je cherche mes affaires. Alors, est-ce que vous allez bien Alors, On en était deux approches d'un problème. C'est pas ça. Digression contre la notion d'influence. Ouais, ça devait être ça. On va tout, on s'en était arrêté là, je crois. Au chapitre 5. Salut Tristan, salut Anticapacity, salut Donio, salut Glitch, vous avez plein de nouvelles commandes vocales, terrible. J'espère que ça vous plaira, salut Lucie. Normalement tout ça fonctionne, je les ai pas tout testé mais... N'en abusez pas évidemment, enfin, pendant que je cause c'est un peu compliqué, ça me perturbe un peu. De, surtout que la plupart sont évidemment faites avec ma propre voix, autant vous dire que ça n'arrange pas les choses. C'est un peu bizarre de m'entendre m'interrompre. J'ai déjà une fâcheuse tendance à tournicoter sur moi-même, on ne peut pas dire que cette situation arrange les choses. Ça devrait vous amuser un brin, d'autant que certaines. C'est ça, Morning correspond à des situations. Hein, qu'il est bon d'enrichir par des commandes genre morning. Non, 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 vous ne pourrez pas abuser, je sais, Donio, vous n'êtes pas ce genre-là. Vous n'êtes pas ce genre de personne. Vous n'abusez jamais. Je sais bien. Terrible. C'est ça. Alors, il y en a huit nouvelles, je crois. Euh, Qu'est-ce que j'ai rajouté J'ai plus ou moins suivi vos prescriptions quand je vous ai demandé ce que vous vouliez. J'ai vu que vous utilisez très peu le chair. Ah. Donc, dans les nouvelles, il y a TUT, qui est un électron fait céphalogramme qui s'arrête. Il y a Morning pour se saluer. Il y a Cadre dans les fois où vous ne voyez pas l'image parce que j'ai mal cadré, donc ça, ça peut être utile. Il euh, y a Mort, qui ne sert à rien mais peut nous amuser. Il y a Flou, euh, au cas où vous ne compreniez pas très bien et où les, les explications soient floues, ce qui ne manque pas d'arriver de temps en temps et je m'en doute bien. Euh, voilà, voilà. Quoi d'autre Euh, terrible quand c'est terrible car des fois il y a des choses terribles qui se passent dans cette chaîne il y a euh, different et bla qui sont deux autres euh, deux autres commandes des monty python avec le morning euh, extrait des euh, comme cause du double avec la droite la mort a été annulée extrait des monty python flying circus voilà voilà voilà. Alors quoi que ce fait interrompre par sa propre voix pitchée, ça devait être moins perturbant. Elle est pas souvent pitchée sur les commandes. Il y en a deux ou trois je pense sur tout l'ensemble qui sont pitchés. <coughs> non, brouillon et flou ne sont pas à confondre, ça n'est pas la même chose. Flou c'est quand une notion vous paraît un peu compliquée, obscure, incompréhensible, c est, c est ça. Brouillon, c'est quand je m'emmêle les pinceaux, ce qui arrive. Également. Ça t'a plu, Lucie, la mort Très bien, mais j'ai toujours su que la mort vous plairait. Alors, hop, que je vois un petit peu si j'ai bien prévu le coup pour les illustrations. Est-ce que j'ai tout Le chardin, est-ce que j'ai pensé Au cas où on allait jusque-là. Est-ce qu'on devrait finir sur le chardin Le système de la vision des cartes, très bien. Ouais, a priori, c'est bon. Tout est là. Alors, je vois encore s'il manque des trucs. J'ai oublié d'imprimer mes notes, donc euh, tant pis. Un, ouais, je pensais avoir prévu un petit peu de statuaire africain. j'ai choisi quelques masques Dan et fang. Euh, pour illustrer un petit peu les emprunts faits par euh, les cubistes, hein, et notamment euh, Picasso dans ses Demoiselles d'Avignon, donc je crois que c'est bon. Alors, il y a toujours une chaîne sur laquelle tu as pu faire ajouter le Help, 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 I'm being repressed de Sacré Graal. C'est flou, flou, c'est flou, 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 Alors là, vous l'entendez pas parce que la musique euh, est un peu à fond euh, de l'attente. Mais il euh, y a de l'écho qui multiplie le flou, flou, flou de façon encore plus floue. Alors, attendez, je vous aime. Il est là. On va le couper là. Voilà. On va dire qu'on est à peu près parti. Euh, J'espère que ça vous, vous va comme ça. Ces nouvelles commandes, que ça va vous amuser un petit peu. Est-ce que j'ai vraiment besoin du casque Moi, aussi, peut-être pour entendre un peu la musique de Marcel Solide qui me portera. Euh, alors, où est le bouton de lancement Il est là, je crois. Ouais, c'est ça. La dernière fois, il y avait un petit problème de, de son sur la musique qui ne passait pas. Eh bien, ça a l'air d'être encore le cas. Que se passe-t-il pourquoi ça ne passe pas Alors, est-ce que ce serait derrière qu'il y a un problème avec le disque de musique C'est possible, hein Alors, excusez-moi. Alors, est-ce que ça fonctionne Ouais, ça a l'air de mieux marcher. Bon, euh, ça vient de commencer et j'ai déjà un problème de son. Voilà, j'ai eu un retour casque qui m'a fait un peu mal à la tête. Donc, ça veut dire que le son a été coupé. Vous ne vous en êtes pas rendu compte. Salut Louisa, pendant quelques secondes, mais il n'est pas impossible qu'on ait des plantages. Ma machine n'arrête pas de se vautrer. Donc, voilà, ne soyez pas surpris, surpris si jamais on rencontre quelques petits problèmes. Bon, euh, oui, c'est un peu brouillon, euh, je ne te le cache pas, Louisa. Donc ce soir, qu'est-ce qu'on va faire ben, Ce soir, on est censé continuer le travail sur euh, le beau livre de Michael Baxendal, Michael Baxendal, Forme de l'intention. Euh, je ne vais pas à chaque fois vous rappeler qui est Baxendal, quel est ce bouquin, qu'est-ce qu'on fait, quels sont les chapitres liés auparavant. Là, je vous renvoie plutôt aux euh, précédentes émissions. Euh, je vais peut-être devoir garder le casque, euh, notamment à cause de cette histoire des cartes-son, ne serait-ce que pour être informé dans les petits moments où ça coupera. Ça me fait euh, sauter le capot quand ça arrive, mais au moins je suis alerté euh, quand elle vient de planter. Donc à chaque fois, on aura une coupure de, de son d'environ 2 secondes. Enfin, Rien de bien grave, il suffit d'être un peu patient elle se remet en place aussitôt. Euh, les fois où ça plante complètement, euh, soyez patient, c'est juste une interruption brutale du système, et euh, assez rapidement ça revient à la normale, donc voilà, il faudra se faire à l'idée, et euh, bah, j'espère qu'il n'y en aura pas trop voilà, voilà. Même Jésus, il en met du temps à revenir. Oui, il met beaucoup de temps, docteur Wack. Normalement, il devait revenir au bout de trois jours et tu vois, plus de 2023 ans après, il est toujours pas là. Ils sont patients, ces chrétiens. Ces chrétiens, quelle, quelle patience. Ils m'impressionnent beaucoup. Ils sont capables d'attendre leur Messie pendant encore deux millénaires de plus. Voilà, bon, est-ce que tout est bien installé On dirait que oui, la caméra est bien posée. Euh, en hommage à Patrick McGowan, j'ai mis ma belle veste du prisonnier, référence que euh, les plus jeunes d'entre vous ne risquent pas de capter, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. J'aime beaucoup cette veste, même hors référence, je la trouve très chic. Voilà, voilà. Donc nous en étions au chapitre 6. Le chapitre précédent était consacré aux relations interindividuelles de Picasso avec son environnement artistique immédiat et notamment à la façon dont il se tenait à distance du cubisme, au moins dans la forme affirmative par laquelle ces mouvements naissants se rendaient publiquement connaissable par des expositions, euh, par des publications, et euh, ceci avec un programme artistique, intellectuel et poétique dans lequel Picasso ne se reconnaissait pas, ou en tout cas dans lequel, pour rien au monde, il n'aurait voulu être reconnu. En gros, lui ne voyait pas comment... Euh, S'agencer à ce type de manifestation sans perdre quelque chose de sa vision, sans l'abaisser la, la, en quelque sorte euh, à un niveau euh, insatisfaisant selon lui. Et pour avoir regardé avec vous effectivement les formes euh, d'expos dans lesquelles il, il ne se manifestait pas alors que tout le monde y participait, on a compris ensemble qu'il avait finalement une bonne raison de tenir ses distances avec ses, avec ses conneries. Merci Louisa. Je te ségrerai de reconnaître euh, le chic de euh, ce beau vêtement. Alors, je l'ai ressorti des placards. Hein, C'est un, une veste dont j'ai fait l'acquisition euh, quand j'avais 20 ans. Donc, il y a <coughs> plus de 35 ans de ça. Et euh, je l'avais un peu oublié dans un placard. Et je ne suis pas fâché de l'avoir retrouvé. Bon, je ne vais pas vous parler chiffon toute la soirée. Tout ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On va aborder le chapitre 6 sur une notion qui obsède euh, pas seulement les chroniqueurs, euh, journalistes euh, et historiens, mais les artistes eux-mêmes qui euh, en font une, toute une affaire de cette notion, que j'ai toujours trouvée euh, douteuse et, et faible, euh, soit parce qu'elle permettait de calmer finalement la capacité à supporter l'intervention de caractères nouveaux dans une production artistique en l'assimilant à des traits antérieurs qu'on aura su reconnaître, soit elle sert chez les plagières à faire passer leur petit trafic lamentable pour des hommages, euh, soit elle sert pour les journalistes extrêmement paresseux à se bricoler des généalogies vite faites faute d'avoir quoi que ce soit à penser des œuvres auxquelles euh, il se confronte. Cette notion, c'est l'influence. Merci Louisa. <coughs> Donc, euh, cette notion est, euh, va apparaître dans ce chapitre qui s'appelle Digression contre la notion d'influence artistique. Je pense que ça va être assez précieux, cette lecture, et l'avis de Michael Baxandall sur le sujet, euh, tout particulièrement. Écoutez, je crois qu'il n'y a pas vraiment besoin de digresser plus avant euh, pour commencer. On peut se, se lancer dès maintenant si vous êtes prêt, à moins que vous ayez des questions à poser sur les chapitres précédents, histoire de commencer en remettant à plat euh, des petits trucs qui pourraient vous manquer. Dites-moi, euh, dites-moi. <laughs> Alors, je rappelle que le bouquin donc, avait été publié aux éditions Jacqueline Chambon dans sa version française et qu'hélas, depuis sa euh, publication dans les années 80, je crois, euh, non, un peu plus tard, euh, 91 pour l'édition française, 85 pour l'édition américaine. Donc, depuis 1991, il n'a jamais été republié. Ce qui fait que le bouquin a tiré un petit nombre d'exemplaires à ce moment-là. Eh bien, n'a jamais été retiré et a atteint des sommes faramineuses sur le marché de l'occasion, qui est un putain de scandale. Alors que les autres bouquins euh, de Michael Baxendal, comme L'œil du Quattrocento ou euh, Les humanistes à la découverte de la composition, sont republiés régal régulièrement. Euh, non pas Gabriel ce soir, car il travaille demain matin, donc on pense tous et toutes très très fort à notre Gabriel qui est coincé dans un univers glacé, celui d'un grand hangar frigorifié dans lequel il stocke, fou en cassette, des foutues crevettes, hein. en se euh, brûlant les doigts de froid. On pense tous à lui très 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 fort. Alors, pas de questions Bon, bah écoutez les gens, on va peut-être pouvoir partir sur les chapeaux de roue, et euh, ouvrir ce chapitre 6 du euh, « Forme de l'intention » de Michael Backsandal que je vous remontre une fois encore. Voilà. Donc, on poursuit. Une parenthèse. Dès qu'on évoque ainsi Cézanne, on achoppe sur la notion d'influence artistique, un peintre étant censé en influencer un autre. Et si nous voulons continuer à avancer, nous devons au moins tenter de déblayer le chemin. Le terme d'influence est l'un des fléaux de la critique d'art. En premier lieu, c'est un terme pervers, puisque la grammaire décide déjà indûment du sens de la relation. Quelqu'un agit, quelqu'un d'autre subit. C'est ça qui est assez drôle, c'est que quand, quand un artiste produit une œuvre et qu'on y voit l'écho d'un autre artiste, le sujet de l'action normalement c'est lui, c'est celui qui a produit cette œuvre. Mais pas du tout. S'il est influencé. C'est qu'il subit l'influence de quelqu'un d'autre. Donc en gros, il n'est pas très responsable de ce qui lui arrive. C'est d'autant plus drôle évidemment quand on tombe sur euh, cette petite, euh, ce petit négoce euh, libéral qui s'appelle le plagiat. Euh, le plagiat peut toujours dire être sous influence et retrousser ainsi la chaîne des opérations en étant l'objet de l'action et non le sujet. C'est pas de ma faute, il m'a influencé, il m'a hypnotisé, c'est ça. En premier lieu, c'est un terme pervers. Par là, elle, donc elle, la relation, semble inverser la relation actif-passif vécue historiquement, qui est précisément ce que le spectateur, qui ne peut s'appuyer que sur des inférences, souhaite prendre en compte. C'est-à-dire, dans la relation, la seule chose qu'il puisse connaître, hein, évidemment, c'est la cause. Et il essaye par là d'éclairer les faits. Et la cause serait l'action sur les faits, à cet endroit-là du rêve de la compréhension de notions d'influence. En disant que X a, a influencé Y, on semble effectivement dire que c'est X qui a agi sur Y et non Y sur X. Lorsqu'on étudie une œuvre de qualité ou un grand peintre, on s'aperçoit que c'est toujours le second élément qui est le véritable moteur de l'action. Il est très étonnant qu'un terme qui évoque plutôt le langage de l'astrologie ait fini par occuper une telle place dans notre vocabulaire dont il contrarie pourtant les tendances profondes. Clint Car il suffit d'attribuer l'action à Y et non plus à X pour voir la situation se complexifier. Effectivement, l'action, a priori, elle est plutôt attribuée à Y, c'est-à-dire la personne dite influencée, qui vient de produire quelque chose en quoi nous croyons pouvoir reconnaître les traits d'une chose antérieure, qui en serait d'une manière ou d'une autre, sous l'influence de je ne sais quelle admiration, fascination ou le plus souvent pur pillage. On découvre alors des nuances autrement intéressantes et je ne suis pas du tout certain d'avoir réellement fini la phrase précédente par ailleurs. Euh, S'inspirer de, faire appel à, user de, s'approprier, avoir recours à, s'adapter à, ne pas comprendre, se référer à, reprendre de, accepter le défi de, se confronter à, réagir à, citer. Se distinguer de, se comparer à, assimiler, s'aligner sur, imiter, s'adresser à, paraphraser, intégrer, créer une variation sur, faire revivre, prolonger, remodeler, se calquer sur, rivaliser, pasticher, parodier, extraire, déformer, prêter attention à, résister, simplifier, reconstituer, repartir de, développer, affronter, maîtriser, euh, subvertir perpétuer, réduire, promouvoir, répondre à, transformer, s'attaquer à. Et chacun trouvera d'autres formules. Très belle petite série proposée à, par Michael Baxandal qui remet les choses à leur place en resituant évidemment le moteur de l'action chez celui ou celle qui est prétendument influencé par précieuse liste qui pourrait être évidemment complétée. Il n'a pas mis piller, par exemple, qui était euh, ou se vautrer dents, hein, ou se draper des vêtements d'eux, <laughs> ou euh, se parer de la gloire d'eux, ou rêver d'une percolation de Salut à toi, Lorsqu'on pense en termes d'influence, on perd une bonne partie de ces nuances et l'analyse s'appauvrit faute de moyens. Pire, on est en pleine ambiguïté. En disant. Ah, c'est le gros problème, cette commande morning, c'est qu'elle est un peu longue. Donc, si vous, vous saluez tout le temps avec morning, on n'est pas sorti. Pourriez-vous ne pas en abuser on... Ça va être l'enfer. Ne m'obligez pas à couper les notifs. Allez-y, mollo, avec la commande morning. Je crois que j'ai eu tort avec ces trucs. Hein. Un simple petit morning aurait pu suffire. Pire, on est en pleine ambiguïté. En disant que X a eu une influence sur Y, on anticipe sur la conclusion puisque l'air de rien. On établit déjà un lien de cause à effet. Après tout, si X appartient à la catégorie des faits susceptibles d'agir sur les gens, il ne paraît pas aussi urgent de se demander pourquoi il a justement agi sur Y. On admet simplement que X appartient à la catégorie des faits qui effectivement exercent une influence. Comme les astres, donc. Néanmoins, lorsque Y a recours à A, donc l'influencé a recours à l'influencer, se compare à ou se réfère d'une manière quelconque à X, son comportement est bel et bien motivé. En réponse aux conditions du moment, Y décide de faire tel ou tel choix parmi l'ensemble des possibilités que lui offre l'histoire de son métier. Il existe bien entendu des situations passablement contraignantes. Si on est au 15e siècle, par exemple, et si Y est apprenti dans l'atelier de X, donc ça c'est une situation de laquelle nous partons souvent dans les lives consacrés à l'histoire de l'art sur cette chaîne. Pardon, je n'étais plus dans le cadre. La situation d'atelier, évidemment, dans laquelle apparaissent souvent, pas souvent, toujours. Apparaissent toujours donc les euh, carrières. Euh, Qu'est-ce que je disais? Donc X et Y. Oh là, là là. En fait, elle me perturbe ces commandes. C'est l'enfer. J'aurais jamais dû faire ça. <laughs> Qu'est-ce que je disais? Y décide de faire tel ou tel choix parmi l'ensemble des possibilités que lui offre l'histoire de son métier. Il existe bien entendu des situations passablement contraignantes. Si on est au XVe siècle, si Y est apprenti dans l'atelier de X, les circonstances vont le pousser à se référer pendant un temps à X, qui l'emportera sur toutes les ressources qui s'offrent alors à Y. A fortiori, évidemment, parce que euh, ce, ces constructions-là, euh, comment dire, elles se font souvent simultanément dans l'espace même de la production. Je veux dire par là que... Quand un apprenti euh, dans une bottega italienne au 15 siècle commence à marquer favorablement euh, le maître chez lequel il travaille, alors évidemment ils travaillent ensemble à la réalisation d'un tableau. Alors parfois, ça peut donner des vrais couples de collaborateurs qui vont euh, construire comme ça euh, une toile de, dans laquelle on, on, va voir, on va pouvoir attribuer une répartition du travail de l'un à l'autre. Et ce sera pas forcément une répartition hiérarchique. Ce n'est pas forcément le maître fait les figures, bon, bah, l'élève fait les arrière-plans. Si vous observez le magnifique euh, tableau à deux mains de Verrocchio euh, et, qui est complété par Leonardo, il y a une combinaison des deux travaux ensemble. Donc, je crois qu'il se trouve. Aux Uffizi, à Florence. Et euh, ce magnifique baptême du Christ est une parfaite combinaison des deux artistes où ils se rencontrent l'un et l'autre. Euh... Parfois, évidemment, la répartition peut être plus euh, hiérarchique, avec comme ça une espèce de partition de l'espace dans laquelle bon, un ne fait pas les choses qui l'emmerdent profondément, et euh, il est bien content d'avoir dans la bottega des, des gens qui peuvent faire le boulot, euh, qu'il n'aime pas faire. Ça ne veut pas dire qu'ils n'y prendront pas de plaisir. Euh, pour prendre des duos de peintres comment, euh, qui vont se partager le travail entre figure et paysage, ça peut donner des vraies collaborations où chacun trouve excitante la partie qu'il fait. Je pense combinaison picturale au XVIe siècle entre Joachim de Patinire et Joachim Patinir, pardon, et Ysenbrun, où l'un fait les figures et l'autre les arrière-plans, comme dans l'incroyable fuite en Égypte qu'ils ont fait ensemble, et qui doit se trouver peut-être à Genève, Faudrait que je vérifie. Un magnifique tableau. Bon, là, on voit une, un, un travail à deux mains, où euh, la, la partition du travail satisfait les deux parties. En tout cas, vous comprendrez bien comme... Que la question des relations entre... X et Y, par exemple, Leonardo Verrocchio, effectivement, elle produit de la tutelle. Je vous ai souvent dit qu'il était compliqué, des fois, de distinguer un maître et son élève, en tout cas un élève de son maître, pendant quelque temps de sa carrière. C'est pas facile, ben, moi je ne sais pas faire, je ne sais pas reconnaître les premiers Raphaël euh, de, de son maître, hein, de, de Perugino, du Perugin, c'est très compliqué. Bon, je suppose qu'un bon, bon historien d'art plus, plus rigoureux, plus précis euh, euh, sur les attributions ne s'y tromperait pas trop. Euh, moi, euh, pff, franchement, quand je vois un Raphaël de jeunesse, je vois un Pérugien, tout à fait. Alors, euh, oui, tous ces gosses, tous ces parents qui appellent X et Y leurs gosses, ça passe à l'état civil. Bah, écoute, visiblement aux États-Unis, Suisse, puisque c'est l'exemple que nous choisit Michael backsandal. Mm. Alors, ça peut être aussi deux élèves qui passent éventuellement conjointement maître. Oui, on a pas mal parlé euh, des, de l'atelier de Scorsione euh, la dernière fois. Euh, je sais plus dans quel live. Ah, C'est peut-être dans Flot de l'Histoire, je sais plus. Euh, à propos, on a parlé de Mantegna, oui, effectivement, et, euh, et d'autres artistes de son environnement. On a parlé de Scorsion, où les élèves peuvent se rencontrer entre eux, devenir des proches, des amis. Et. Dans ce cas-là, il va y avoir euh, entre les deux des jeux comme ça de spéculaires d'œuvre à œuvre. C'est le cas, évidemment, pour l'exemple que je vous avais choisi la dernière fois, entre Mantegna et Bellini, c'est assez évident, à tel point que parfois, également, c'est assez difficile hein, de, de savoir euh, distinguer très clairement telle œuvre de Mantegna de euh, telle œuvre de, comment, de de Bellini. Mais si je t'ai vu, sus, évidemment. Je ne t'ai pas salué, c'est ça, mais je te salue, Suse. Donc Y, donc Y l'influencé, hein, comme on dit, enfin, comme il est dit, si on veut accepter ce, ce terme désastreux, inquiète ainsi très tôt des dispositions qui peuvent ne plus le quitter. Certaines allant même jusqu'à réapparaître sous une forme méconnaissable ou opposée. D'un autre côté, certaines cultures, et je pense bien sûr aux cultures médiévales prise davantage la fidélité au modèle et au style existant. Ça aussi, ça peut être une raison de penser, euh, bah, si vous voulez, de laisser parcourir, divaguer notre goût pour la confrontation analogique, pour la comparaison, euh, dans le sens où euh, parfois euh, cette piste-là éclaire d'un jour, euh, on va dire, euh, euh, sensé, enfin, congruent une composition collective, dans tel espace, dans tel je sais pas, scriptoria, telle période, telle région, euh, quelques opérateurs marquants dans la façon de faire les choses, opérateurs stylistiques, choix iconographiques, manière de travailler la couleur, bon, ben, seront d'une certaine manière répertoriables et assignables à un environnement plutôt que très précisément à tel ou tel auteur. Ça n'empêche pas du tout hein, l'émergence des individualités. Ça, bon, on en a déjà parlé ensemble. La question de l'apparition, du jaillissement de l'individualité artistique n'attend pas la Renaissance pour apparaître comme une évidence. Elle va être louée et utilisée, c'est-à-dire convoquée d'une certaine manière par les commanditaires, bien avant le XVe siècle. Tu Toujours est-il qu'il y a des cas où cette tentative de comprendre par la comparaison ou l'analogie, qui trouvera toujours ses limites, peut aider à suivre, disons, une piste géographique ou... Euh euh, des fois euh, thématiques pour nous éclairer un choix par exemple un choix iconographique particulier qui pourrait sembler incongru euh, là ou là mais qui par la coprésence de telle production à, à tel endroit euh, d'autres productions qui vont emprunter un même matériel iconographique c'est-à-dire des mêmes images des mêmes euh, représentations des mêmes motifs va s'éclairer et peut-être donner un apport de sens qui en qui, si l'œuvre avait été complètement isolée de, de tout autre, bah, nous aurait été assez impénétrable. Voilà. Mais bon, là encore, même dans ce cadre précis, on trouvera vite des limites hein, à l'intérêt de, de ces comparaisons. Et alors, mais dans l'un et l'autre cas, donc la, le cas de l'atelier et le cas de l'espace médiéval, il faut s'interroger sur le contexte institutionnel et idéologique dont dépend cet état de choses. Il y a forcément des causes. Qui explique pourquoi Y s'est référé à X. Vous noterez bien qu'il fut comme la peste, Y, euh, enfin X influence Y, il préfère Y qui se réfère à X, qui a ainsi contribué à fixer sa tâche ou encore les termes de sa directive. Une des questions centrales du texte de Michael Baxandal étant de dégager, après avoir exploré la, le questionnement de la réalisation d'une œuvre par euh, la série des éventuels euh, faits euh, connaissances qui pouvaient nous éclairer dans la construction d'un pont essayer de voir qu'est-ce qui de tout ça constitue une directive ou une série de directives en quoi la connaissance de ces directives porte en elle la connaissabilité de l'objectif en découler et bien évidemment la suite c'est dans un cadre pictural dans une création de peinture c'est quoi une directive Qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce qui, d'une directive, va rester dans le tableau effectué? Voilà. Notre glitch qui est zouceux. <laughs> Quand on parle d'influence, on s'appuie souvent, semble-t-il, sur une image yumienne, classique, de la causalité, qui veut qu'une bille de billard, dite X, en heurte une autre, dite Y. Dans les cas précédents, cependant, l'image des deux billes n'est peut-être pas la meilleure. Parce qu'à priori, dans cette image, il me semble qu'il y en a surtout une qui bouge en direction de l'autre. C'est pas celle qu'on croit. Enfin, Ce n'est pas celle qui est énoncée. On pense plutôt à l'espace qu'offrirait la surface d'un billard, où serait disposée une multitude de billes. À ceci près qu'on ne joue plus au billard, mais plutôt au snooker ou au pool, et que le jeu se déroule sur une sorte de billard italien, sans blues. Mais surtout, la blanche, la bille qui va heurter l'autre, n'est plus y, n'est plus x, pardon, mais y. En fait, en se référant à x, y modifie toute l'organisation du champ. Donc, en se référant à un autre artiste, sous la tutelle duquel, au moins symboliquement, on se place, on change tout le champ des relations entre les différentes œuvres euh, en place, présentes, embrassables à l'intérieur d'un champ. Le mouvement qu'il a fait, mu par l'intention. Le mouvement qu'il a fait, mu par l'intention. Bah, je vais les couper parce qu'en fait je peux pas, ça me, enfin, j'aurais pas, pas dû créer ces trucs. Euh, je pensais que vous en useriez à des bons moments, mais non. En fait non. Là il y avait aucune raison de blablabla, euh, Donc je coupe ça. Le mouvement qu'il avait fait, mu par l'intention, avait un objectif. Mais ce mouvement a également modifié la position de X. Et à la fin, chacune des deux billes se retrouve dans une position nouvelle par rapport à l'ensemble des éléments du jeu. Euh, certaines billes sont maintenant plus ou moins faciles à atteindre, d'autres sont au contraire plus ou moins masquées. Autrement dit, une fois qu'il s'est référé à X, Y se retrouve dans une position où tous les coups ne sont plus également jouables. Les arts sont des jeux de position. Et chaque fois qu'un artiste subit, donc il a mis subi entre guillemets, parce qu'évidemment il ne s'agit pas de ça, il produit finalement le cadre d'une relation qu'on qu pourrait appeler influence, mais c'est une façon d'appeler les choses, eh bien il réécrit un peu l'histoire de l'art à laquelle il appartient. Et ça, c'est une question intéressante, c'est de dire, de voir en quoi une situation qui pourrait être unique avec une espèce de partition artistique, assez discernables, avec des œuvres euh, réparties dans un champ perceptif assez large, donc une série d'œuvres de plein de gens comme ça, euh, qui sont visibles à un moment m. Euh, S'ils sont isolés dans leur production, ils sont rattachables les uns et les autres à la singularité qu'ils sont, par laquelle ils se sont effectués dans leur œuvre et qui produisent les distinctions mêmes. Mais dès l'instant où se crée ce type de relation appelé influence, quelque chose de nouveau apparaît qui à la fois arrache le cadre d'exception dans lequel se trouvait la, la référence et euh, qu'il le veuille ou non, cette référence, qu'elle le veuille ou non, cette référence fait désormais partie d'un réseau nouveau euh, de relations à son corps défendant, si vous voulez, euh, dans le cadre d'un atelier. Il n'y a pas de corps défendant, en, en l'occurrence. Le maître est produit, il forme ses élèves et il les forme avec une certaine hauteur de vue, une certaine idée de ce que doit être la peinture si on est dans un, une bottega du XVe siècle. Et donc, euh, forcément, il attend de ses élèves respect des règles qu'il a édictées. Il n'y a pas de surprise à proprement parler. Alors, la question, évidemment, serait de se demander qu est -ce que, quelle est la limite à ne pas franchir au XVe siècle. Euh, à partir de quel moment un artiste du XVe siècle souffre d'une manière ou d'une autre des relations euh, qui existent de suggestion de la production de ses élèves à lui-même, à partir de quel moment il, a, il peut souffrir de disparaître, d'être euh, atomisé dans l'œuvre des autres. Je ne sais pas. Ça s'écrit des Bottega, en fait, euh, ça s'écrit comme ça. Euh... Ben, C'est pas une punition collective, Denio, mais je peux pas poursuivre le live en fait. Donc, euh... soit on fait juste un live, blablabla. Dans ce cas-là, je peux me barrer et vous laisser avec des commandes. Ben, C'est un autre projet. <laughs> Pourquoi pas C'est pas le même projet. J'ai envie d'avancer dans cette lecture parce que je trouve ça intéressant. Ça nous pose des, des questions aussi, notamment le statut d'exception peut prendre une œuvre. Euh, peut commencer à souffrir de cette zone dans laquelle est apparu par elle quelque chose de nouveau et de singulier, peut souffrir de cette dilution éventuelle dans euh, les œuvres qui vont en découler. À ah, son corps défendant, je le rappelle. Par exemple, dans les cadres contemporains, pour l'avoir déjà expérimenté assez régulièrement, j'ai vu poindre des œuvres vraiment géniales et uniques en leur genre qui produisaient, euh, malgré elle, des copistes, et euh, l'œuvre restait dans une certaine ombre. Les copistes, euh, forcément produisant des versions light, posant moins de problèmes, parce que pas prises dans les nécessités, les impératifs, et euh, je dirais toute la lourdeur de mise en branle de la création et de l'invention, généralement les copies sont beaucoup plus digestes, plus faibles. Euh, et donc beaucoup moins coûteuses en termes d'investissement pulsionnel pour ceux et celles qui y sont confrontés. En d'autres termes, elles ont plus de succès, parce qu'elles sont plus vulgaires, plus banales, plus ordinaires, plus facilement assimilables. Pendant ce temps, l'œuvre euh, euh, qui est la référence de tous ces succès d'année, eh ben, un peu à peu euh, peut être euh, comment, révélée par l'existence de, euh, de tous ces sous-produits mais elle aura l'air seconde, parce qu'elle viendra après dans la connaissance publique. Et mieux encore, l'espèce d'usure que peut ressentir le public à la vue euh, répétée des copistes va retomber sur l'œuvre de référence elle-même, qui va être disqualifiée par la vulgarité des sous-produits qui en découlent. Voilà, voilà. Vous voyez bien le, le type de choses, euh, enfin la reconfiguration finalement d'une situation qui naît de la simple action euh, de Y sur X qui n'est pas une action de x sur y, quoi qu'il en soit dit par influence. Donc autrement dit, une fois qu'il s'est référé à x, y se retrouve dans une position où tous les coups ne sont plus également jouables. Supposons que x soit Cézanne et y Picasso. Donc la relation, si on garde le terme désastreux, influence, Cézanne influence Picasso. X influence y. Quand arrive l'automne 1906, le premier meurt et le second commence un travail qui va déboucher sur les demoiselles d'Avignon, que vous êtes en train de voir là, à gauche de l'écran. Picasso avait eu la possibilité de voir des toiles de Cézanne depuis quelque temps. Alors, on peut en garder quelques-uns et je pense que ça pourrait être intéressant de voir aussi des aquarelles parce qu'il vont en être question. Voyons un peu quelques, quelques aquarelles de Cézanne. Alors ça, c'est une aquarelle de Cézanne. On va se plonger un peu dedans. À propos donc de Cézanne, on peut lire ici, hein. Picasso donc avait eu la possibilité de voir des toiles et très probablement hein, j'imagine des aquarelles euh, de Cézanne depuis quelque temps. On sait en particulier que Vollard, son marchand, hein, possédait des stocks importants. Et que Cézanne avait été largement représentées au Salon d'automne de 1904 et de 1907. Voilà une deuxième aquarelle. Quant à ces aquarelles, elles furent exposées en cette même année 1907 à la galerie Bernheim. On va se plonger un petit peu dans ces belles choses. Alors, Tristan nous dit Pourrait-on angoisser de penser que notre histoire de l'art n'a retenu que des copies ce qui ont eu plus de succès qu'un des inventeurs oubliés euh, Si tu veux, tardivement, généralement, le travail des historiens remet les choses dans l'ordre. Mais c'est jamais vraiment rattrapé, hein, je ne crois pas que ça le soit. Euh, L'importance incroyable qu'a pu avoir un mec comme Verrocchio. Euh, au moment où euh, il avait des tas d'ateliers, des tas d'élèves géniaux qui se bousculaient dans, dans son atelier, euh, eh bien, euh, n'a pas replacé finalement Verrocchio euh, complètement. Enfin, l'histoire n'a pas replacé complètement Verrocchio dans. Euh, dans, euh, cette, euh, dans, ce, ce, comment, dans, dans cette hiérarchie historique. Alors peut-être parce que certains de ses élèves étaient particulièrement géniaux, donc euh, j'ai parlé de, comment, euh, de Leonardo, donc de Leonardo de Vinci, mais euh, ben vous pouvez euh, imaginer, y a, ça, se, ça se bouscule en fait dans, dans l'atelier euh, de Verrocchio. Euh, donc à partir de là... Quand j'ai parlé du Pérugin, par exemple, le Péruginan, il a aussi été un élève de Verrocchio. Il euh, y a, comment, euh, Polaiolo également. Donc, euh, c'est important, Polaiolo. On en a parlé l'autre fois, je crois que c'est aussi avec le flot de l'histoire, à propos de, de cette dynamique musculaire très joueuse et assez impressionnante. Eh bien, euh, avoir euh, un élève comme euh, Léonard de Vinci, ça peut poser problème, quoi. Euh, C'est-à-dire que même si, d'une certaine manière, les comptes sont refaits à un certain moment, si on, on prête à nouveau attention à, à Berrocchio, et même si les historiens recomposent un peu le fil directeur, effectivement, ce n'est pas certain qu'il y ait un juste réagencement. Et euh, oui, c'est probablement un peu douloureux. Bon, globalement, quand même, les, euh, dans le cas de figure que je présentais, qui est quand même assez fréquent, il euh, y a peu de chances que les centaines de copistes médiocres, euh, à ce point de Chris Chris par exemple qui a été largement pillé pendant dix ans avant de fatiguer tout le monde. Enfin, les copistes s'en sont fatigués eux-mêmes parce qu'il faut comprendre qu'un un, un minable petit plagiaire n'est pas investi pulsionnellement dans son plagiat, donc il peut passer d'un truc à un autre. Il considère lui-même comme une influence un petit moment de sa vie, tatati, tatata. Là où pour un artiste comme moi, faire une chose de telle ou telle manière, c'est un enjeu. C'est un enjeu sur lequel repose toute sa vie. Euh, à partir de là, lui, il s'y tiendra, il va explorer avec profondeur. D'autre part, les copistes ne peuvent pas explorer. Ils n'en ont pas les moyens, parce que pour explorer, il faut comprendre les motivations à être de ce que l'on produit. Euh, ces motivations à être, elles ne peuvent être comprises que par euh, la référence elle-même, par l'artiste qui est pillé. Si ces questions vous intéressent et elles sont complexes, des relations entre euh, le plagiaire et l'objet de son plagiat, j'ai fait un bouquin qui s'appelle Apax qui parle de ça. Donc s'il doit être encore disponible chez Uchi et c'est son objet, ça parle que de ça. De fait, ça parle beaucoup d'histoire, évidemment. Matisse, par exemple, qui est grâce à la dot de sa femme. Alors, donc Matisse. On en a vu quelques-uns, on peut en voir d'autres. Euh, avait pu acheter en 1899 l'une des versions des trois baigneuses. Alors je crois qu'on a vu les trois baigneuses de Cézanne à un moment. Je l'avais mis de côté. Euh, ouais, c'est celui-là. Je ne sais pas si c'est la version qu'a achetée je, je crois. Euh, vous voyez dans la peinture de Cézanne une tentative de schématisation des structures locales du corps humain. Donc il a une compréhension, on va dire, de, assez grossière finalement du projet euh, césanien, machisme, mais c'est peut-être moins comme une interprétation grossière que le choix finalement d'y à la chose qui l'obsède lui-même finalement. Voilà. Alors Donio dit après c'est aussi une vision particulière que de savoir qui mérite d'être reconnu par l'histoire. Si quelqu'un est copié à un moment, c'est qu'il est reconnu à ce moment-là et c'est là qu'il en profite le plus. Ah non ça c'est faux Donio. Euh, précisément, enfin en tout cas pour les exemples que moi je connais c'est pas du tout ce qui se passe. Euh... D'abord voilà bon, si on parle du XVe siècle, euh, on est en train de parler de cadres comme les ateliers. Donc euh, si euh, s'il y a euh, des raisons de tirer euh, enfin comment de, de tirer d'un d'une matrice formelle euh, poétique intellectuelle euh, des cartons donc des des formes pour travailler elles sont créées par les conditions de la, de la Bottega. Mais après, il y a des œuvres qui, effectivement, peuvent s'imposer à, à l'étranger, mais elles peuvent s'imposer, je dirais, dans une certaine discrétion et devenir l'objet euh, d'une utilisation abusive euh, plus loin sans que véritablement il soit fait référence à la cause de tout ça. D'autre part, euh, ce qui peut être désespérant, hein, qu'il faut bien garder en tête, c'est que, euh, dans un nombre considérable de cas, des œuvres... Alors là, je parle vraiment pour l'époque contemporaine. Je ne sais pas trop comment ça pouvait se passer auparavant sur ce type de difficultés. Euh, J'y réfléchirai. Euh, voir si je peux trouver du matériel pour y penser. Ou si tout simplement j'ai des exemples plus précis qui me viennent en tête. Mais chose importante à bien garder en tête, c'est que les euh, artistes médiocres qui pillent tout ce qui bouge parce qu'ils y trouvent matière finalement à transformer des bonnes idées en marchandises. Euh, ceux-là ont généralement une belle vie et ils ont euh, pignon sur rue. Et tu te doutes bien que qu'aller piller euh, chez des artistes beaucoup plus obscurs de la matière euh, pour la transformer en, en gadget vendable, c'est une activité qui va nuire... Incroyablement à des artistes qui sont dans une plus petite situation de reconnaissance, qui vont perdre la possibilité d'être reconnus parce que un zozo euh, aura euh, transformé finalement le, la quête de leur existence en euh, gadget décoratif. Euh, ça arrive tout le temps. Je vous ai déjà parlé d'auteurs de bandes dessinées qui font ça, qui euh, vendent des milliers d'exemplaires de leurs bouquins et qui pillent des petits auteurs euh, qui euh, ont euh, quelques centaines de lecteurs. Et évidemment, la gloire euh, reviendra peut-être 200 ans après la mort euh, au Créateur, mais il s'en bat les couilles, lui. Enfin, ce n'est pas son problème. Il aimerait juste être reconnu pour ce qu'il fait. Et ça n'est pas ce qui arrive. Donc, en attendant, euh, il souffre euh, et meurt euh, sans parler. Donc, non, c'est une vision euh, fausse de la, la structure de ces échanges, qui enfin, ne sont pas à proprement parler des échanges, de cette économie-là des signes. Euh, entre les, les créateurs et euh, les plagiaires. Voilà. Donc, euh, si quelqu'un est copié à un moment, ce n'est pas du tout qu'il est reconnu à ce moment-là. Ce n'est pas le cas de figure euh, obligatoire euh, d'une telle situation. Et euh, ça ne profite jamais à personne, par ailleurs, d'être copié. Jamais. Contrairement à ce que tu dis, Donio, euh, si un homme a une vision en tête précise, et qu'il a des exigences sur cette vision, il ne peut que souffrir de la cohabitation avec des œuvres médiocres qui ne permettent plus d'imposer avec clarté un discernement qui est le fond de sa pensée. Précisément, si Picasso avait refusé d'exposer avec les autres guignols euh, de, de l'expo euh, euh, du salon avec Mizinger et Glaise, c'est précisément parce qu'il voulait pas être associé à ces gens. Donc non, ça ne réussit jamais à personne. Enfin, je ne vois pas quel profit on pourrait tirer d'être copié on n'en tire aucun profit. On n'en tire que de la douleur, en fait. Parce que euh, quand quelqu'un vous copie et amoindrit votre travail parce qu'il est trop con pour le comprendre, vous voyez votre propre travail fétichisé, transformé en signe marchand. Alors, tu ne pensais pas dire qu'il profitait de la copie plus de la reconnaissance. Mais pas du tout, c'est le contraire. C'est exactement le contraire. Si quelqu'un crée une œuvre intense, formidable et renversante, euh, qui change complètement les relations aux formes et aux discours, euh, il met en lumière une quête, une vision, une intelligence. S'il est copié par 10 000 trous du cul qu'en font des versions amoindries, et c'est souvent le cas, à ton avis, qu'est-ce qu'il en retire sinon hérité de l'idée finalement que ce qu'il fait est une chose légère, euh, qui fait partie d'une espèce de gigantesque machine à produire des formes industriellement Donc euh, non, personne ne peut tirer le moins de profit de ça. C'est que. Des... Au mieux, une source de malentendus. Au pire, une source de souffrance. Voilà. Euh, comme le dit Lucie, c'est une trouvaille transformée en lieu commun. Et euh... On est en train de parler d'œuvres d'art. On n'est pas du tout en train de, de parler d'une invention utile à touche. On est en train, en train de parler d'une vie et de son processus d'advention à l'intérieur de formes. Ces formes matérielles qui ont une raison d'être et d'exister dans telle vie. Mais pas dans les autres. Je veux dire, faut bien comprendre que la forme que prend une œuvre d'art est la forme même de subjectivation dans laquelle se construit une existence tout entière. Ça n'est pas une série de signes, une petite collection d'opérateurs qu'on bricole ensemble pour faire genre, quoi. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais bon, là, je parle de plagiat. On est dans une autre, une autre configuration que ce dont on parle. On est en train de parler des relations entre les gens, euh, qui sont des quasi-contemporains, et de ce qui se passe dans euh, quand des intelligences s'observent. Donc, Matisse a acheté, grâce à, sa do, à la dot de sa femme, euh, l'une des, des, des versions des trois baigneux. Dans les années 1900, cette interprétation à Matisse hein, lui donne en particulier les moyens d'arriver à une forme qui, d'un côté, se développe sur le plan du tableau avec une grande force décorative, et de l'autre suggère un objet de représentation complètement démesuré. J'ai pris quelques Matisse de cette période, donc ça c'est un Cézanne. Est-ce que j'ai bien pensé à vous montrer du Matisse de cette période En voilà un hein, par exemple. C'est pas mal du tout. Voilà. C'est un Matisse de 1900 par exemple. On est, on est loin de ce qu'on ce qu verra en, dans les papiers découpés petit à petit, ou même de ces grands portées un hein, motif déco, décoratif euh, que vous connaissez bien. Avec le temps, cette vision se fond dans des modes de représentation complexes qui intègrent l'interprétation qu'il propose d'un certain nombre d'autres peintres. Car il y a un réel éclectisme de la référence schématiste. Après, bon, c'est compliqué la notion de référence artistiquement. Parce qu'elle n'est pas toujours frappée d'évidence. On pourrait dire d'une certaine manière que la référence qui se voit, c'est la référence qui échoue, d'une certaine façon, à se constituer en modalité nouvelle de production et d'interprétation, c'est-à-dire quand euh, l'aspect euh, connotatif l'emporte finalement sur l'espèce d'intelligence conjointe qu'on peut attendre hein, d'un juste rapport référentiel. Oh, des fois, ça prend du temps. Enfin, l'œuvre d'un jeune artiste, d'une jeune artiste, ça prend du temps à se construire. Ça se construit dans un dialogue. Euh, Acharné avec le passé, et les œuvres précédentes, et effectivement, ça se constitue beaucoup sur des apports euh, que l'on va chercher dans les œuvres du passé, mais qu'on va tenter de faire fructifier. Il ne s'agit pas d'en devenir le singe. Il s'agit d'une certaine manière de les interroger. Et quand on est peintre, et eh bien, le meilleur moyen d'interroger la peinture, euh, c'est encore de peindre, hein, tout simplement. En 1906-1910, Picasso peut-on supposer, voyait Cézanne de plusieurs façons. On peut confronter un petit peu le, le, cette période picassienne avec du Cézannisme. Et ça, c'est aussi un matisse, tiens, de, on pourrait dire, de la période où, où Cézanne est très présent chez lui. Là, je pense que... Vous le voyez, ça c'est une pièce un peu plus ancienne. C'est un tableau de Matisse assez curieux, assez pâteux, assez tâtonnant. On a, on a souvent parlé euh, chez Cézanne de la période couillarde. Et bien euh, là on a un Matisse tout à fait tout à fait couillard. Ah, sa grosse patte euh, un peu dégueulasse. Ah, c'est pas une injure, une hein, période couillarde ou matière couillarde ou peinture couillarde. C'est une expression de Cézanne lui-même pour sa peinture. Bien pâteuse, bien couillarde. Est-ce qu'il peint avec ses couilles non, je crois que c'est pas vraiment ce qu'il voulait dire. C'était. c'est. C'est pas Arnold Schwarzenegger, hein, Cézanne. Alors... Donc ça, c'est un Matisse de 1849. Mais voyons donc les, les liens cézanne Picasso. On va on aller va se promener un petit peu dans cette période pour mieux comprendre ce qui se trame. Donc ça, c'est... Vous l'aurez reconnu, un, un Cézanne. Et ça, c'est un Picasso euh, assez jeune, un hein, Picasso de 1909, je crois, celui-là. Est-ce que j'ai la référence Un compotier, je crois qu'on l'avait regardé la dernière fois. Ouais, c'est ça, 1909. Euh... Alors, on va continuer à voir un peu ça. Attendez, est-ce que j'en ai d'autres de cette période Voilà, on va continuer là, à regarder un petit peu ça. On va comparer rapidement euh, un Picasso voilà, de 1909. Et voilà un Cézanne. Encore un Cézanne, vraiment, pour le coup, euh, très disloqué. Hein. La carrière du Bibémus et encore un Cézanne, hein. le village de Gardanne. Hein. En premier lieu, Cézanne s'inscrivait pour lui dans l'histoire de la grande peinture, vers laquelle allait toute son attention. Il ne connaissait pas d'autres mots d'ordre. Mais par le fait même de s'intéresser à Cézanne, il lui donnait une importance nouvelle. Picasso acceptait en effet différentes images de Cézanne, qui participaient du troc culturel, où il puisait sa directive. On pouvait ainsi considérer Cézanne comme un véritable modèle épique. Là, vous comprendrez que vient se superposer à la simple question de la réponse de Cézanne par la forme qu'il donne à ses tableaux, les lignes de force intellectuelles et euh, visionnaires qui sous-tendent ces constructions. C'est-à-dire qu'il faut entendre là que si référence il y a, il n'y a pas que référence à des images et comment elles sont constituées, mais évidemment il y a référence aux forces qui constituent ces images. On pouvait ainsi considérer Cézanne comme un véritable modèle épique. Il s'agit autant des forces constitutives de la peinture que finalement du modèle de vie dans la peinture que construit Cézanne, en s'arc-boutant coûte que coûte à sa vision quoi qui s'oppose à lui. Quelles que soient les, là, les forces contingentes de l'histoire euh, qui s'opposent à lui, le ridiculisent, euh, font obstruction à, à sa vision, n'y comprennent rien, etc. Donc il y a aussi cette dimension-là qu'on ne peut pas écarter, qui est très euh, comment constitutive de beaucoup de carrières artistiques. Euh, C'est vrai pour moi-même. Hein. L'idée euh, qu'un certain mode de vie euh, engage. Un certain type de relation sociale et historique est euh, au moins aussi importante que euh, la production de forme en fait. Il y a là-dedans euh, tout un complexe d'auto-représentation euh, fondateur pour euh, se projeter dans une vie artistique, avec toute une série de, de, de références. Bon, on n'a pas tous et toutes les mêmes, mais, mais qui joue beaucoup euh, avec, euh, voilà, qui repose énormément là-dessus pour y voir, hein, si vous voulez, une forme un peu bébête de, de romantisme artistique, mais c'est crucial de bien comprendre toute la dimension politique, au fond, de ce romantisme qui euh, déjoue la normativité des euh, modes généraux de réussite, par exemple, ou d'exemplarité. Et euh, s'y soustraire contre vents et marées. Pour une vision poétique du monde, par exemple, c'est un objectif qui peut être largement suffisant pour épouser une carrière artistique. Cézanne représentait alors l'individu plein de détermination, qui avait supposé le problème de la peinture en des termes dont l'ampleur dépassait toutes les pressions directes du marché. Bon, exactement ce dont je vous parle. Il y avait aussi certaines déclarations de Cézanne sur la peinture, telles que traiter la nature par le cylindre, la sphère, le cône, etc. Donc à la, le côté euh, comment très prescriptif finalement et programmatique hein, de la du Cézanne en, en pleine pleine puissance, etc. Qui avait été publié en 1907 sous forme de lettres à Émile Bernard. Donc, Émile Bernard, c'est un autre un autre peintre que vous connaissez peut-être. J'ai oublié d'aller d'aller chercher des, des références, mais je pense que vous en avez déjà. Vu. Donc ça veut dire que c'était accessible, hein, le, ces textes de Cézanne, en 1907, c'était publié. Donc attends, il est où le petit père Bernard Donc, Vous allez voir, vous allez reconnaître un petit peu sa peinture. Il est très proche des Nabis, vous allez dire, ah ouais, mais euh, c'est du Gauguin. Enfin, ça l'est ou pas, c'est plus que ça, c'est pas que ça, mais euh, oui, enfin, vous allez reconnaître une proximité évidente euh, avec Gauguin. Attendez, le plus simple, c'est peut-être que je copie cette image-là plutôt que de me faire chier à ouvrir une nouvelle fenêtre. Donc, on va faire ça comme ça. Hop, je vous la mets directement dans le... Voilà. Dans le tiroir des images, comme ça vous allez voir le Emile Bernard. Alors, où il apparaît, ouf, le coco. Il est là, voilà, c'est ça. Bon, c'est pas ouf, c'est pas... Je n'ai pas trouvé un tableau très intéressant, c'est un peu momoche, mais... il euh... bon, y a des trucs chouettes chez Emile Bernard. Tout n'est pas aussi euh, aussi tarte. Ah, c'est ce que je disais. Qu'on pouvait lire, on pouvait lire ça en 1907 puisque ça avait été publié sous forme de lettre à Émile Bernard. Mais là encore, Cézanne faisait partie du problème que Picasso avait choisi d'affronter. La composition. Et certaines poses des demoiselles d'Avignon montrent que l'un des aspects que Picasso aborde ici est lié à une prise de conscience des problèmes soulevés par les compositions des baigneuses de Cézanne. Et donc au sentiment qu'il y avait là une véritable question. Alors là, ça devient plus intéressant. C'est Picasso est conscient que dans ce tableau-là, où est-il, les baigneuses Là. Voilà sont posées certaines questions par rapport à la configuration, par rapport à l'ossature d'un tableau et à, à la structuration des forces qu'il compose, par rapport à des liens de surface entre tout ce qui s'y peint, par rapport à des questions de tension, de dynamisme et de un rapport assez particulier à la couleur qui remplit une autre fonction que celle de localiser finalement les, les figures, mais qui participe d'une espèce d'espace dynamique très particulier. Euh, enfin, énormément de choses en fait sont en jeu dans euh, ces baigneuses-là, qu'on ne va pas inventorier. l'intérêt de voir, c'est la question donc de la référence. Quand j'ai dit que la référence qui s'exhibait était finalement celle qui a raté sa mission, c'est de comprendre que ce qui se questionne là peut se re-questionner picturalement là. Et pour le coup, on voit bien qu'on est passé dans une altérité picturale, dans une autre dimension, un autre questionnement. Ne pas être le singe de sa référence, c'est fondamental, c'est savoir trouver les lignes de force qui la hantent et euh, d'une certaine manière comprendre la peinture comme on comprend hein, la philosophie la poésie la littérature comme un problème et essayer de définir ce problème de trouver sa forme de trouver euh, la forme sous laquelle il se manifeste et depuis cette manifestation euh, s'ouvrir à aux différents sillages par lesquels celle-ci pourrait n'être qu'un choix parmi tant d'autres, pour proposer à, 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 à ses forces d'autres manifestations, d'autres façons d'apparaître, d'autres manières, d'une certaine manière, ou d'une certaine façon, pardon, de, de poser le problème. Quoi. Et là, c'est le cas, évidemment, avec cette proposition, et d'y injecter d'autres problèmes, pour le coup. Là, on voit bien que. D'autres problèmes y sont posés, et j'irai d'autres systèmes de connotation, d'autres systèmes de référence, notamment évidemment la statue africaine. Il est clair que si Picasso se tourne vers les tableaux de Cézanne, c'est aussi parce qu'il y trouve des solutions empiriques, qu'il y fournissent des moyens adaptés à des fins et des outils susceptibles de l'aider à résoudre certains problèmes. J'ai déjà évoqué la question des passages césaniens, qui en reliant deux plans distincts en un seul, superplan, donnent corps à l'espace qui les enserre. C'est-à-dire, d'une certaine façon, qui euh, régule la peinture en dehors des questions, si vous voulez, d'arrière-plan et d'avant-plan. Euh, en dehors d'un de, maintien d'une hiérarchie des formes euh, traditionnelles dans laquelle se figure. Habituellement, une nette séparation entre la partie noble qui serait le sujet humain qui apparaît et le reste qui n'en serait que le décor. Or, euh, toutes ces choses sont à traiter picturalement en même temps. Et il n'y a pas lieu, dans ce cas-là, de ne pas les rassembler à un certain moment comme la même problématisation du fait de peindre. Hein. Comprenez? Est-ce que par ligne de force on peut entendre là où l'énergie est déployée dans une... Bah non, on ne peut pas remplacer force par énergie, c'est remplacer une notion qui peut être un peu éclaircie par une notion complètement floue. L'énergie, on oublie, Quentin, on peut rien en faire. C'est pas moi qui vais vous parler de ça, ça ne pose que des problèmes supplémentaires. Euh... Ligne de force, c'est déjà un problème pictural en soi parce que la question d'une construction picturale. sous -temps une solution non homéostatique, c'est-à-dire non plate, non écrasée par son projet. Il euh, y a plusieurs homéostasies, homéostasies dangereuses, euh, alors homéostasie équilibre absolu si vous voulez, parfait équilibre des forces. Si, vous, si quelque chose de ce genre apparaît picturalement, alors plus rien n'existe. Il y a, si tu veux, la question des lignes de force ne doit pas être pensée comme... Un mouvement très scolaire des grandes sutures de la composition, mais plutôt des rapports, des opérateurs entre eux. Les lignes de force c'est moins la construction géométrique d'une architectonie picturale que les relations qu'entretiennent entre elles les opérateurs principaux de la constitution du tableau. Donc c'est c'est moins cet exercice par lequel on cherche à dégager une vague pyramide à l'intérieur d'une vierge à l'enfant que, que de comprendre comment, dans tel ou tel tableau, le choix de tel pan, articulé à un autre contre-pan, va permettre l'émergence à tel endroit, par exemple, d'une fixation du regard, euh, par une soustraction euh, des... Euh, comment euh, jouant sur la capacité qu'ont certaines couleurs de passer à l'avant, comme on dit, euh, par des propriétés optiques ou dynamiques. Ou... Après ça, l'accompagnement par la touche comme élément constituant finalement de la peinture, et pas simplement comme manière de poser ou comme euh, solution technique pour que la couleur existe, mais bien comme participant elle-même à la construction des lignes de force, c'est quelque chose qui va être très saillant à ce moment-là de l'histoire de la peinture. Ce n'est pas la première fois, enfin le, la question de la touche, euh, elle apparaît assez substantiellement dès le XVIIe siècle, et on voit assez vite apparaître qu'elle sera participante finalement au questionnement, à la problématisation euh, des forces qui hantent la peinture ou même avant, hein, chez le Tintoret, euh, la façon dont le Tintoret utilise les réaux de lumière blanche euh, sur sa peinture, en font un questionnement de la touche assez incroyable, puisqu'il est quasiment contre nature. Et ce n'est pas le seul. Chez Vermeer, il y a aussi une contre nature de la lumière par la touche hein, de la pâte picturale blanche qui va en marquer de l'épaisseur. cest amener de l'épaisseur dans la lumière, que ce soit chez Vermeer ou chez le Tintoret. C'est en soi une opération picturale tout à fait intéressante parce qu'elle repose évidemment sur une impression paradoxale de la matérialité. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, cette solution est excellente parce qu'elle fait émerger un statut. Et dans une certaine lycéité picturale, euh, s'il n'y a qu'un ou deux endroits qui, qui saillissent comme matière, alors, ils ont un autre statut ces euh, effets de matière, et s'ils ont un autre statut, ça devient relativement au statut du reste, tu vois, et pas, c'est-à-dire que la relation entre euh, cette émergence d'un rayon de blanc et une peinture plutôt liste, c'est elle qui est visée, la relation elle-même, comme séparation radicale de deux statuts. De la même manière, du coup, que dans le monde sensible, le monde des choses, il y a séparation radicale des deux statuts entre la lumière et la matérialité. La matière de, 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 du monde des choses, si tu veux. Alors, euh, évidemment, tout ça, c'est empirique. Euh, Je suis pas en train de vous parler de science. Hein. Je vous parle juste de, de confrontation sensible hein, au monde des choses. Confrontation immédiate, euh, pas forcément à, à, à parier euh, de théorie euh, physique, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est plutôt de comprendre comment ces, euh, cette façon de faire de la peinture fait émerger euh, des singularités par les moyens mêmes de la peinture. Un peu comme quand je vous parle de comment, des Marmi de Fra Angelico. On a beaucoup glosé hein, sur les marbres Mi donc ces fameux marbres euh, fins, ces marbres imités, très très colorés, avec gamme chromatique très intense, qui sont produits par du dripping, par des giclures, dans les grandes prédelles de San Marco. Mais ce qu'on peut en dire, ce qui pourrait être corroboré par euh, l'usage de des marbres Mi chez euh, Andrea del Castagno à Santa Polonia, c'est comment finalement, dans un cadre qui est celui de la peinture, L'amorphe, qui ne veut pas vraiment dire euh, absence de forme, mais plutôt absence morale de forme. Forme que l'on ne reconnaît pas comme forme, à laquelle on ne reconnaît pas le statut de forme. Donc le caractère amorphe, indistinct, mêlé et non figurant de ces marmi-finti, qui ont cessé de représenter du faux-marbre depuis bien longtemps, qui représentent plutôt de l'indistinction pure, alors ceci est au ou ceci... Euh, est le monde duquel peut émerger la figure. Donc le, le, la, par la peinture multichromatique, comme ça, et indifférenciée dans ses directions, sans ligne de force à proprement parler, bah, le marmifinti produit un effet de monde sur lequel peut croître et apparaître la peinture. Et ça, c'est de la pure picturalité. D'ailleurs, il n'y a pas un moment où ceci représenterait vraiment le chaos, ou représenterait vraiment le monde d'avant Adam. Non, c'est juste... Pour de la peinture dans le cadre pictural, alors cette chose, ce marbre fin, euh, multichromatique et, et, et indistinct, est le chaos de la peinture à apparaître. Donc voilà, euh, j'ai un peu digressé, mais je pense que ceci éclaire euh, cela. Marmi Finti, je peux vous l'écrire hein, si ça vous intéresse de faire des recherches sur ceci. Euh, on pourrait faire un live entièrement consacré d'ailleurs à ça parce que le Mario Infinity peut être une euh, comment, une source inépuisable finalement de questionnement pictural quoi. Ah, merci Lucie. <laughs> oui, c'est ça, c'est amorphe euh, Ah Qu'est-ce que je disais? Donc, on est en train de parler de la problématisation qui intéresse Picasso, c'est-à-dire de ses propres problèmes euh, dans, et de, du lien, finalement, de la relation qu'il tisse avec les questionnements de Cézanne et les réponses que Cézanne peut trouver pour lui-même. C'est assez passionnant. J'ai déjà évoqué la question des passages cézanniens qui, reliant deux plans distincts en un seul superplan, donnent corps à l'espace qu'il en sert. Donc, c'est ce que je vous disais hein, par rapport à, à la construction euh, coextensive, finalement, des figures et du fond qui, qui abolissent euh, l'ordre habituel de la storia, c'est-à-dire l'idée même que le sujet du tableau, c'est lui qui va euh, justifier finalement la construction. Non, euh, cette justification, elle peut passer après euh, l'organisation de, de la toile finalement. Voilà. Merci Louisa. Mais on estime que Picasso s'est approprié un certain nombre d'autres caractéristiques du langage de Cézanne. Comme lui, par exemple, il utilise des points de vue plongeants, pas forcément fixes, qui s'écrasent sur le plan du tableau, tandis que des arrangements d'objets semblent reculer vers le fond. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là Des points de vue plongeants, pas forcément fixes, qui s'écrasent sur le plan du tableau. Voyons les tableaux de cette période et voyons ce que ça veut dire et confrontez-les à, à cette phrase. Hein, si on voit cette période, voilà une vue plongeante. Compotier fruit et vert, donc 1909. Vue plongeante, pas forcément fixe. Qu'est-ce que ça veut dire par là Ça veut dire que pour obtenir une telle configuration, le regardeur se déplace. Il n'y a pas une logique d'ensemble de tous ces objets qui seraient soumis à un même espace rationalisé. Tandis que des arrangements d'objets semblent reculer vers le fond. On peut, en regardant ce tableau, voir à minima hein, que euh, la possibilité euh, en usage jusque-là hein, de construire un espace perspective rationalisé est évacuée au profit de, on va dire, au minimum, d'une incertitude des relations de plan entre les différents objets. Et évidemment, plus on le regarde, plus c'est troublant. Plusieurs aspects du travail de Cézanne jouent pour Picasso le rôle qu'on jouait pour Benjamin Baker, du moins dans les termes de ma description, le mot d'ordre, traverser, ou le problème des vents latéraux, ou le principe des ponts en encorbellement, ou encore l'existence de l'acier Martin. Mais bon, mon récit schématisait les choses à l'extrême. Donc, image d'une problématisation qui vaut pour directive, d'une certaine façon, euh, si on en croit... Euh, comment, euh, si on en croit, euh, Bach-Sindal, décrivant ce, ce à quoi pourrait se confronter euh, Picasso. Cézanne, Picasso, directive, programme, etc., etc. Oui, le retour sur le pont de Baker, c'était moi. Ce serait fausser les choses que de tout reporter à l'influence de Cézanne sur Picasso. Ce serait confondre des références d'ordre très différents et nier ce qu'il y a d'actif et d'intentionnel dans le regard que Picasso porte sur Cézanne. Picasso eut en effet une action très concrète sur son aîné. D'abord, il changea l'histoire de l'art en donnant à Cézanne, à partir de 1910, une importance historique qu'on était loin de lui attribuer en 1906. Là pour euh, Reprendre ce dont il était question euh, tout à l'heure par rapport à la possibilité d'une œuvre d'être mise en perspective et en valeur euh, par les effets que ça peut avoir, c'est Donio qui parlait de ça, on... mais qu'il ne faut surtout pas en faire une règle, hein, euh, à savoir à supposer que parfois les effets que ça peut avoir euh, sur un, un artiste d'être euh, interrogé, pour ne pas dire copié, euh, par les autres peuvent le rendre peut-être plus saisissable. Mais c'est pas dans le cas du plagiat, on est d'accord. Le plagiat, c'est juste une marchandisation. Hein. Il ne faut pas regarder le plagiat autrement que comme une activité purement libérale qui fétichise la peinture comme une collection de signes. Donc euh, là, on parle de quelque chose d'autre qui est tenté, expérimenté, qui est une problématisation conjointe et mieux encore. Chez Picasso, il y a une volonté euh, de faire valoir le cadre théorique duquel il vient en affirmant. La tutelle cézanienne et pas en la masquant plus ou moins habilement. Donc, il donne une importante historique qu'on est loin d'attribuer en 1906 à Cézanne. Il opéra en fait un véritable re de recentrage pardon de l'œuvre de Cézanne à l'intérieur de la grande tradition de la peinture européenne. Son approche était cependant quelque peu tendancieuse. Son point de vue sur Cézanne. Pour revenir à l'image du billard, hein, était bien particulier, puisqu'il était marqué notamment par les références artistiques très différentes qu'il avait pu puiser dans la sculpture africaine. Voilà, donc on en revient à la, à, au Picasso, donc de, comment, euh, des Demoiselles d'Avignon, et, et euh, on va l'observer un peu, mais si vous voulez, on va regarder un peu quelques. L'étrangleur euh, de chasse et pique à celui lui-même, docteur Wack. <laughs> euh, regardons ça d'un peu plus près. J'ai dit un peu plus près, Laurent. Pas, on n'y voit rien là. Voilà. Et voilà donc, notamment ces deux figures. Et essayons de comprendre aussi un contexte. Euh, à la période dont il est question, là, au début du XXe siècle, il euh, y a... Déjà, une apparition assez considérable hein, de fantasmes. Je vous avais parlé de, de l'exotisme orientalisant qui avait touché les 18e et 19e siècles, qui commence à la fin du 17e, euh, qui connaît plusieurs vagues différentes. Le goût et la collection pour euh, l'art africain commencent à s'installer dès le début du 20e siècle et euh, font beaucoup hein, rêver les artistes devant les, les récoltes d'objets qui sont largement pillés par les colons, par les colonisateurs, qui sont alors déjà largement et euh, fébrilement collectionnés à ce moment-là. Alors il y, a, il y a évidemment tout un trafic, toute une circulation euh, des œuvres. Vous entendrez sûrement. De, de certaines missions qui vont être importantes parce qu'elles vont se faire en collaboration parfois avec des intellectuels et j'en pense à une surtout qui est vraiment importante, qui est un petit peu plus tardive, qui date du début des années 30 mais qui va être très marquante dans l'histoire des relations des euh, occidentaux et des artistes occidentaux surtout euh, à l'Africain. C'est la mission Dakar-Djibouti. Euh, je crois que je vous en ai déjà parlé, c'était une expédition française. Hein. Je vous en avais parlé, je crois, à la période où on lisait l'anomie de Juvignon, parce qu'il avait évoqué Marcel Griol. Et cette euh, mission, euh, Dakar-Djibouti, c'est une mission française qui avait été une expédition, qui avait été dirigée par Marcel Griol, euh, un ethnologue français, euh, africaniste, c'est un spécialiste des Dogons. C'est une mission qui va durer euh, presque trois ans, très longue. C'est évidemment une expédition coloniale, mais je pense qu'elle est assez emblématique. Pourquoi on peut s'intéresser à elle Parce qu'elle est très bien chroniquée, en fait. Vous allez comprendre ce qui s'est passé. Donc, une expédition coloniale. Qui va ratisser euh, sur son passage un nombre considérable d'artefacts au nom du caractère scientifique de la mission à des fins d'études. Euh, la collecte d'objets, c'est son objectif. Hein. Ce n'est pas du tout une mission d'observation, la mission Dakar-Djibouti. C'est vraiment là l'enjeu. Il faut savoir qu'avec cette mission, il n'y a pas que des ethnologues. Il y a Léris, Michel Léris, qui est un homme passionnant, à qui on doit, parmi les premiers essais sur le racisme, un homme brillant. Euh, qui était secrétaire de cette expédition, euh, qui voulait s'initier par elle, par ailleurs à, à, à l'ethnographie, et euh, il a écrit à son retour un bouquin là-dessus qui s'appelle l'Afrique fantôme, qui est très beau. Il devait juste être historiographe, mais en fait, il va faire un vrai carnet de notes, un vrai journal intime de tout ça, et il va mettre le doigt sur les nombreux problèmes euh, éthiques et méthodologiques de cette mission. Et euh, il va aussi nous mettre au courant de sa compréhension critique de l'ethnographie à ce moment-là, à laquelle il était en train de s'initier. Il, il écrit assez lisiblement un co et son équipe ratissent, euh, labourent l'Afrique, escroquent les Africains, raquettent, euh, bref, euh, dépouillent complètement les personnes et les collectivités euh, rencontrées sur leur passage sans scrupule. Les, euh, les masques africains notamment. Euh, vont donc faire un effet euh, fort sur euh, les artistes de l'époque, donc avant la, vision, la mission Dakar-Djibouti. Il hein, y aura déjà beaucoup d'œuvres ramenées, mais ça va se systématiser en fait à partir de ce moment-là. Et euh, tous les artistes de cette époque vont commencer à collectionner aussi. Hein, vous connaissez peut-être la collection André Breton. Il y a eu beaucoup de bruit euh, au moment où je crois qu'elle était démantelée. Moi, j'ai vu une expo qui lui était consacrée à Beaubourg et qui, je crois, marquait la fin de cette collection avant dispersion, avec énormément d'artefacts de, de plein d'endroits. Avec, je dirais, plus ou moins euh, d'attachement par les collectionneurs à comprendre les objets auxquels ils ont affaire, à vrai dire. Euh... C'est évidemment assez étrange de voir se collectionner ces objets, surtout les masques, parce que les masques africains sont des objets institutionnels euh, associés à des rituels, et la plupart du temps, d'ailleurs, ne sont pas du tout destinés à être conservés. Euh, la, la diversité des formes et des matériaux utilisés pour fabriquer tous ces masques, ça ne provient pas seulement des régions ou des clans, ou des, des sociétés qui les produisent, mais ça vient aussi des diversités, des usages de ces masques eux-mêmes à différents moments de, de l'année, pour différents rituels. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ce n'était pas une pratique étendue à toute l'Afrique. Alors je dis, ce n'était pas. Parce qu'évidemment, la colonisation et l'intérêt des colons, donc dès le début du XXe siècle, pour les masques, notamment, et pour plein d'autres choses, hein, va aboutir bah, à une industrie. Une industrie du masque et des objets pour satisfaire la demande occidentale, ce qui me paraît tout à fait un juste retour des choses. Donc, on va regarder quelques-uns de ces masques, juste pour qu'on voit bien la façon dont ça dialogue, hein, le, le Picasso et, euh, et, ses, et ses masques, qui en sont une des références. La plupart des, des masques sont insérés dans des. Euh, construction donc institutionnalisante de la vie collective, euh, ils peuvent avoir plein de vocations, ils peuvent être protecteurs, ils peuvent être initiateurs, ils peuvent être euh, entremetteurs, ils peuvent être guérisseurs. Ils peuvent être apotropaïques, enfin, ils, peuvent donc, ils peuvent donc conjurer le mauvais sort, si vous préférez. Ils peuvent être portés pour une danse, ils peuvent être fichés, ils peuvent être assemblés, etc. etc. Donc, moi, j'ai choisi des types de masques Dan et Fang, parce qu'il me semble que dans les demoiselles d'Avignon, c'est quand même la tendance générale. Enfin, moi, c'est ceux que je retrouve le, le plus, mais peut-être que c'était pas... Je connais pas très bien hein, l'art africain, on est d'accord donc, euh, je ne vais pas faire mon malin là-dessus. Je me connais quelques petits trucs parce que j'ai des gros kiffs sur les statues Bambara quand j'étais ado. Mais... Donc, je me suis un peu penché dessus. Mais, franchement, j'ai des connaissances très, très médiocres en la question. Je vais me contenter de vous montrer quelques trucs. Ça, c'est un masque d'âne. C'est donc le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Une région, je... bah, vous voyez où c'est, en Afrique centrale. Euh... Ça va jusqu'au Libéria, jusqu'à la région forestière du nord du Libéria. Et ça, c'est des masques d'initiation de jeunes garçons. Voilà. Ça, c'est encore un masque d'âne. Merci, Suisse, pour Marcel Griol. C'est ça. Encore un autre masque d'âne, parce que il me semblait que c'était l'influence potentiellement la plus grande dans les demoiselles, mais je peux me tromper. Donc C'est des matériaux mixtes, hein, comme vous pouvez voir. Il y a différentes sortes de terre, petits bouts d'os, du bois, de la corde tressée. ça c'est un masque fang Alors, la société fang c'est une société qui couvre le cameroun et le gabon Donc, là on est on est plutôt euh, vers des masques surtout celui là euh, ça, c'est des masques, vous voyez, qui sont couverts d'une poudre fine, c'est du kaolin, donc ça sert chez nous pour faire de la céramique, une, une poudre extrêmement fine et blanche. Hein. Ça, c'est des masques qui sont utilisés euh, pour lutter contre la sorcellerie. C'est des... Des, des masques pour démasquer. <laughs> c'est un masque qui est utilisé dans des cérémonies où on essaie de démasquer les sorciers. Et ça, ça celui-là appartenait à une société qui n'existe plus, à ce masque au Fang, c'est la société N-G-I-L, que je prononce probablement extrêmement mal. et, et Veuillez m'en excuser. Donc, ce n'était pas inintéressant de voir un petit peu euh, tout ça. Alors, la situation ématif utilise des formes en papier. Vous parlez des, des coupes de, de papier. De... Alors, ça ne va pas avoir vraiment les le mêmes. Euh, mais on verra tout à l'heure si vous voulez des, la, la façon dont le papier peut devenir collage chez Picasso et Braque, alors que chez Matisse, il va devenir matrice de dessin, il va venir s'y substituer, quoi. Donc tu es fan de Matisse, euh, Louisa Moi ouais, je suis très fan aussi. Enfin, ça dépend des périodes, mais globalement, je suis assez, assez dingue de, de... Mais même des travaux de, de jeunesse, en fait, avec des apparitions de toiles crues, le caractère décoratif, ce n'est pas quelque chose qui me déplaît chez lui. Je, dis, je suis même plutôt fasciné par euh, ces grandes compositions de papier découpé. Oui, il y a des masques pour des démasquer les masques qui démasquent. Je ne sais pas, Glitch, jusqu'où va euh, cette chaîne euh, Donc, on était sur les masques et Picasso. Il ne vit et ne retint que certains aspects du travail de Cézanne. Et encore appliqua-t-il à ce matériau de départ un traitement tout personnel lié à son propre univers de représentation. Ce faisant, il changea pour toujours notre propre perception de Cézanne et de la sculpture africaine. Car l'image que nous avons de Cézanne aujourd'hui vient encore en partie de cette interprétation très particulière de Picasso. Notre perception de Cézanne est définitivement altérée par tout ce que notre tradition doit au travail accompli sur son œuvre par les générations qui sont venues après lui. Donc ça répond aussi à nouveau à la question de Dogno, c'est que d'une part oui, ça va mettre en lumière de certaines façons euh, le... Le prisme qu'offre de façon parfois révélatrice l'œuvre plus tardive sur une œuvre originale, mais on voit que ce prisme, évidemment, il est opacifiant. Il va avoir des effets qu'il sera plus possible, finalement, d'oter, euh, d'altérer sur les œuvres de référence. C'est évidemment problématique parce qu'une manière ou d'une autre, ça prétend nous les faire toucher, mais ça nous enlève euh, d'une main ce que ça tendait de l'autre. C'est quand même, tu vois, la, une des difficultés intellectuelles à laquelle ça nous confronte. Alors, le Gabon vient de déposer une plainte pour recel contre la France pour un de ses masques en gill. Ah, D'accord. Ben oui, c'est des choses extrêmement rares, d'autant que cette société ben, a disparu, quoi, tout simplement. Hein. Purement et simplement. Je voudrais noter au passage que pour moi, le terme de tradition ne renvoie pas à quelques gènes culturels et esthétiques, mais signifie une vision du passé apte à faire des distinctions, en position à la fois active et passive d'échange, assortie d'un ensemble de dispositions et de capacités susceptibles d'être acquises à l'intérieur de la culture qui admet cette tradition. C'est pourquoi je ne souhaite pas parler d'influence. Je vous la relis parce qu'elle est importante, cette phrase. Le terme tradition ne renvoie pas à un gène culturel esthétique, mais signifie une vision du passé apte à faire des distinctions en position à la fois active et passive d'échange, assortie d'un ensemble de dispositions et de capacités susceptibles d'être acquises à l'intérieur de la culture qui admet ces traditions. C'est des questions qui peuvent aussi recouper les liens à la notion d'académie. Il y a encore un autre problème que celui de la tradition, parce que s'y superpose dans l'académie l'idée par la tradition, de détenir excellence, savoir-faire, et le maintien de la tradition se fait à ce prix. Pour autant, vous vous doutez bien que cette question de l'académie est elle-même plastique et mobile, et justifie qu'on ait à réinterroger son sens finalement tout au long de la longue histoire des académies, et de la façon dont cette excellence pouvait camper finalement des rapports de tradition. Petit 7. Approche du processus. Comment parler des intentions. Voilà, on va, on va y arriver. Finalement, le mot intention n'est pas arrivé très, si souvent que ça hein, dans le livre de comment de, de Baxanda, à part sur la couverture, quoi. Une question plus pressante et plus intéressante est celle de savoir comment l'interprétation d'une intention peut prendre en compte ce qui concerne le processus de production d'un tableau. Déjà, interpréter une intention, on peut imaginer à quel abîme de perplexité ça peut nous amener, mais aussi laissant supposer qu'à cette intention nous avons accès, et que y ayant parfois accès, si elle a été énoncée, formulée ou rendue visible ou intelligible, nous ayons vraiment par elle accès à quelque chose de son devenir œuvre. Ouais. Il est clair qu'un certain nombre de choses séparent. Le pont sur le Force, du portrait de Kahnweiler. Oui, au bas mot, oui, 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 oui. Ainsi, l'histoire du pont se divisait aisément en deux phases, dont l'une correspondait aux différents stades de l'élaboration du projet. Ici, on avait affaire à Baker. Et l'autre, aux différentes étapes de son exécution confié cette fois-ci à William Arrol donc William Arrol hein, je vous rappelle le petit génie de l'acier. Mais dans la mesure où Picasso prend à son compte le rôle d'Arrol, le rôle du petit génie de l'acier, <laughs> il faut voir que dans le portrait de Kahnweiler, la conception et l'exécution sont bien plus étroitement liées. Là, on va revenir à quelque chose que je vous dis souvent mais je vais me répéter et des fois c'est pas inutile, on va retourner sur le portrait de Kahnweiler où est-il Il est là. Voilà. Hein phrase que je dois à l'excellence de Gilles Leguenneck, de hein, qui m'enseigna pendant quelque temps. Cette phrase est La pratique est imaginante. Donc, en quoi c'est lié En fait, dans le principe, il n'y a pas énormément de différence. À Queens Ferry, aussi. On assistait à tout un jeu d'interférences, puisqu'on a vu que Benjamin Baker avait été amené à modifier certains détails, tandis que William Harold, de son côté, devait improviser en fonction des circonstances. Garde, évidemment, toute œuvre est aussi la circonstance de l'œuvre. D'accord Mais même en coupant ainsi la conception de l'exécution, on notait pas grand-chose à l'intérêt de la situation. Alors que pour la plupart des tableaux dignes de ce nom, voire pour tous les tableaux, hein, pareil traitement serait plus destructeur. On ne peut pas couper les questions euh, de conception et d'exécution. On peut dire d'une certaine façon que dans un cadre pictural, mais bah, la conception est continue. Elle est superposable à l'exécution. Euh, Peinture n'est pas un projet que l'on met en forme. Cézanne disait, repris en ça par Picasso, qu'il l'approuvait, qu'un tableau change à chaque coup de pinceau. Euh, cette réalité matérielle, quand on ne peint pas, elle peut vous échapper, mais sachez que lorsque vous posez une touche de couleur sur une toile, d'une certaine manière, celle-ci a un moment de projet. C'est-à-dire que pendant un très court moment de son existence, une intention la précède, une micro-intention, qui est de l'appliquer après l'avoir choisi comme unité et de la poser. Mais ce n'est pas ce qui arrive. La vérité déjà, c'est que la plupart du temps, elle est jaillie d'un continuum plastique complexe, qui s'appelle une palette, dans laquelle elle est apparue par un premier euh, dispositif de production la palette elle-même. La profusion et les mélanges des couleurs qui s'y exercent font partie déjà de euh, la production du champ chromatique en tant que zone continue d'invention. Euh, les événements qui s'y passent interrogent le tableau devant lequel on se le trouve dans un dispositif de relations complexes de va-et-vient entre l'une et l'autre. La touche, une fois posée sur le tableau, n'est pas seule, isolée elle n'est pas un petit carreau de couleurs qu'on remplit elle apparaît dans un espace euh, qui est préparé pour l'accueillir et qui va la changer radicalement une fois qu'elle est posée la façon dont elle va s'y écraser appelle des formes de modifications immédiates dans la relation qu'elle va entretenir avec les couleurs d'abord les plus immédiates les plus proches avec lesquelles par ailleurs elle pourra se mélanger ou travailler par superposition, et donc surprendre. Salut Solarius, salut Jocelyn Mais très également, elle va renvoyer à la chose en train de se faire, et aux lignes de force que j'évoquais tout à l'heure, hein, qui sont en train de la suturer, hein, qui sont en quelque sorte toujours fragiles. C'est-à-dire que tant que le tableau n'est pas fini, la menace de l'homéostasie pèse sur le tableau c'est-à-dire la double menace de l'écrasement et la disparition par équilibre de toutes les lignes de force, qui s'annulent les unes les autres et d'un seul coup font, réduisent à néant toute forme de tension dans un tableau, et l'autre menace homéostatique étant le gris sale de la couleur qui a abdiqué. On notera par ailleurs que la peinture cubiste est souvent menacée par la grisaille et la possibilité de son abdication, c'est-à-dire comment la couleur... Risque de devenir une formalité de mélange. Alors, comment la couleur peut perdre sa capacité intensive C'est un risque. Le gris est toujours le risque de la peinture, certains gris. Cézanne disait donc, repris par Picasso, qu'il approuvait qu'un tableau change à chaque coup de pinceau. Il ne parlait pas des changements qu'on provoque dès qu'on efface ou rectifie quelque chose sur une toile déjà achevée. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'au cours de l'exécution d'un tableau, chaque coup de pinceau modifie l'effet produit par tous ceux qui l'ont précédé, de sorte que chaque fois qu'il touche sa toile, le peintre se trouve confronté à une situation nouvelle. Ainsi. Salut Galtrug, ça, ça faisait longtemps, c'est vrai Ainsi, l'ajout d'un ton ou d'une nuance, peut changer tous les rapports de couleurs déjà établis, et donc l'aspect initial de chaque teinte. Même si au départ le peintre a une idée très nette de son travail, cette présence simultanée de tous les éléments du tableau aura des conséquences importantes. C'est-à-dire que l'idée très nette d'un tableau, avant de se mettre à peindre, il a une forme, une configuration verbale. On a beau être peintre, d'une certaine manière, on se dit, ce que va être ce tableau. Et vous vous doutez bien que ce dire est complètement impuissant à toucher aux conditions de réalisation euh, processuelle de ce que la peinture fait pendant qu'elle se fait. Évidemment, une telle vision, même si ouais, elle est dite assez claire, peut prendre l'allure de directive. Ah oui, je ferais bien quelque chose qui va travailler sur un violent type. Euh, de contrastes particuliers de ce moment où euh, sur un ciel euh, euh, dense et, et lourd, telle masse nuageuse est étrangement ceinturée euh, euh, de, de lourds contours euh, plus puissants et gris parce que la lumière vient les frapper et que ce sont des masses particulièrement euh, profondes. Et euh, ah, ça, j'ai ça en tête, je vois, je vois le truc, je me le dis puis au moment où, où d'un seul coup ça passe euh, dans une autre dimension. Eh bien, là, le travail, en fait, de directive est entièrement redéfini par ce qui est en train de se passer et qui ne peut pas être quelque chose comme une promesse que l'on se tenait. C'est tout à fait dans un autre ordre de la... comment dire... de la subjectivation. Le gris sale, c'est toi qu'en a horreur, Laurent. Là, j'avoue, c'est évident sur cette toile affreuse. Alors, je ne sais pas si la toile est affreuse de, du portrait de, de Kahnweiler. Je ne dirais pas ça. Elle pose plein de problèmes de toutes sortes, mais en tout cas, elle est, elle est la toile que, que Baxandal a choisie pour parler des, des difficultés auxquelles se confrontait Picasso. Mais précisément, effectivement, on voit aussi comment, euh, une fois qu'on a, on a impliqué dans la peinture une, une série de perspectives vraiment très attachées, alors là, en l'occurrence, chez les, les cubistes, c'est assez remarquable, à un mode de relation entre... Les objets que l'on peint et euh, la configuration picturale elle-même pour rendre compte de leur présence, on peut considérer à ce moment-là, à tort à mon avis, hein, mais euh, que c'est à ce point, une configuration euh, intellectuelle au fond, que la couleur pourrait devenir un problème. En tout cas, il faut que ce soit peut-être à ce moment-là, je ne sais pas, hein, un problème second, à la limite qu'on réglera plus tard. C'est peut-être ce qui est arrivé à ce moment-là de l'histoire du cubisme. Voilà. Est-ce qu'il existe une théorie du gris sale euh, Je ne sais pas s'il existe une théorie du gris sale, mais il y a un très beau passage de Michel Vachet sur le gris. Oh, bah, je peux aller vous chercher ça. ça va vous faire marrer. J'arrive. Il a foutu un de ces bordels dans la, la pile vachée là, <laughs> la rangée est un chaos, voilà, voilà, Ah bon, allez, alors, euh, c'est où ça, orientation, qui a vu l'IA, je vais vous trouver ça, c'est assez marrant. Alors, le gris revient inlassablement dans ce, ce bouquin. Et ça, c'est son contrat qu'il a imprimé dedans. Donc, c'est tiré de toile de Michel Vachet ou Toile. Que peut voir l'œil C'est compliqué, mais c'est un roman assez épais. Ça fait assez longtemps que je pas lu. Alors, alors. Ce serait dommage si je retrouve le livre et pas le passage. Hop là, second degré. Je vais vous trouver, je pense. Il y a moyen. C'est dans toile hein, ou toile, c'est celui-là. Il y a une grosse tache de peinture bleue dessus. C'est pas moi qui l'ai mis c'est Michel, qui avait fait un gros pâté. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Et Je ne pourrais jamais le questionner, puisqu'évidemment, il est un petit peu mort. Euh... Ah, ah c'est dommage. Hein. C'est sa lettre au censeur pour avoir un plumard euh, dans la bibliothèque. Ah voilà, c'est ça. J'y vais. Euh... C'est ça. C'est ça. Je l'ai. Il n'y a pas tout, c'est un texte un peu long, mais on y va. C'est pas mal. Ah, il est sur ta pile à lire, c'est très bien. En fait, faut-il le dire, est-il possible de le dire en le disant, n'est-ce pas, annuler toute chance, toute pensée, tout avenir, n'est-ce pas, trahir toutes les galaxies Ou bien est-ce un moyen insondable pour accepter la Terre, pour l'utiliser à peine en terrien, à peine en terrestre, sans la terrestralité En fait, la toile aussi est grise. Mais personne ne peut le savoir. Personne ne doit oser le dire. Ne doit oser le savoir. C'est une chose que chacun doit garder pour soi. Rien que pour soi. C'est le seul secret permis. Aucun Dieu n'existera pour me pardonner. Aucun Dieu n'existera pour se venger. J'ai attaqué la toile. Ce fut une chose horrible. Savez-vous ce qu'il en retour du morceau de toile qu'on déchire? Du bout de ma propre peau, se défaisant dans mes doigts. Je ne saignais pas. Il est dur d'être un monstre même provisoire, personne n'est préparé à ça, mais la toile était ma main, et je la tordais, j'en faisais un pinceau, et c'était encore ma main grise que le temps trouvait bouleversante. Ensuite, j'ai vu, j'ai vu des gens qui peignaient avec ma main, celle-ci, il y en avait plusieurs, dans des mains qui travaillaient, des mains qui appartenaient aux gens de la rue, on s'occupait à des travaux de ravalement, le sol caillouteux était couvert de corps, il était gris. Il y avait des personnages gris peints des endroits inattendus, à même le ciment cassé, à même les cailloux. C'était irrattrapable. La lumière est grise, ce gris de la lumière est le travail du temps dans l'espace. Le temps brille pour l'espace déployé dans le temps gris. La toile dévore la fatigue grisâtre. Le gris supporte l'espèce sans qu'on sache s'il est évitable, plus qu'elle. J'avais choisi un produit surculturel, cet abominable carton toilé. La toile et le gris grisant, la toile qui va finir, dépense en appareillage, la toile recommence sans nous. Et plus j'ai mélangé, pire c'était. Elle est un nous très gris, déplacé de gris en gris, du gris. Au gris circulation grise, changement gris, mouvement de lumière, pas de lumière blanche, pas de soleil noir. Ne pas séjourner aux franges, ne pas laisser à une fausse race de poètes la spécialité des halos. Allo, ici le gris, le gris qui a mangé les gris gris, qui est coupé et malade. Allo, le téléphone poétique est coupé. Que l'absolu soit devenu un mot absolument incompréhensible. Palidonie qui en témoigne. Allo, allo, on n'aura jamais accès au pôle gris comme la plante nue des pieds dans la poussière grise, comme un cerveau de tripes comme nos os Grisaillé futur. Nous sommes toujours là, plus insensibles et gris à la page blanche qu'à un ticket de train. Nous sommes au moins quatre soleils, forçant le gris qu'un tout petit pef fait briller. Nous chercherions plutôt le noir, mais il n'y a pas de noir, seulement du gris qui peut encore et encore s'obscurcir, brusquement disparaître, disparaître dans le rouge du soleil, son cœur gris, dans la muraille de Chine folle des couleurs, et il n'y aura plus rien, les murs printaniers le long desquels nous sommes la puissance grise en personne. Voilà, Pierre, il y, y a plein d'autres choses hein, sur le gris dans ce très beau lit. Voilà, voilà. Euh, donc, où j'en étais Oui, ils font pas beaucoup d'efforts, les morts. Tu as raison, docteur. Ils sont fatigants. Euh, où j'en étais, où j'en étais Oui, les rapports de teinte qui changent à chaque touche. Même si au départ donc le peintre a une idée très nette de son travail, cette présence simultanée de tous les éléments du tableau aura des conséquences importantes. C'est dire que tant qu'un tableau est en cours, il pose un problème global qui évolue au fil de corrections et de révisions permanentes, alors qu'évidemment vu de loin, on pourrait croire que ce sont des problèmes locaux. C'est-à-dire qu'un tableau est une composition de Petites surfaces, de petites zones, mais ça n'est pas du tout le cas. Il est toujours la totalité de son propre problème. Et cette notion. Je la crois incluse dans les propositions de Roger de Piles, même s'il dépose en termes structurels, en disant que couleur et dessin en font, font un tout ensemble. Le tout en un de Roger de Piles, donc au XVIIe siècle, c'est un homme dont je vous ai déjà un peu parlé, euh, qui prend le parti finalement d'une certaine manière de la couleur contre les assommantes euh, théories euh, intellectualisantes hein, d'un dessin euh, qui serait euh, sous la tutelle de laquelle se poseraient les problèmes chromatiques, Roger de pile comprend le caractère tout en a de la peinture. Mais je pense que, à bien y regarder, hein, toute la peinture vénitienne du XVIe siècle, elle est habitée par ce tout en a. Évidemment. Et c'est pour ça d'ailleurs que la querelle des coloris au XVIIe dans l'Académie des Beaux-Arts en France va choisir comme euh, prototype de ce questionnement et de sa rage, et de, enfin, sa rage exagère un peu, mais en tout cas de son rejet, euh, va choisir le Titien, hein, par exemple, donc va choisir Venise et le 16e siècle. C'est-à-dire que la, la, la séparation des problèmes n'existe pas hein, pour les Vénitiens du XVIe. Hein. Alors qu'évidemment, euh, pour le brun. Euh, pour Champagne, elle va se poser au moins théoriquement, même si euh, au fond, ça ne semble pas frapper tant que ça leur peinture, en tout cas, ça n'arrête réduit pas. Le médium, tant dans sa dimension physique que perceptive, donc le médium pictural, la pâte picturale, modifie les termes mêmes du problème au fur et à mesure que le jeu avance. À vrai dire, certains aspects du problème n'émergeront qu'à des étapes ultérieures du jeu. Pour apprécier un tableau et comprendre comment les styles changent et évoluent historiquement, il est souvent important de prendre conscience de cette dimension, de se souvenir qu'on a affaire à un processus fait de rectification, de découverte et de réponses aux situations rencontrées par le peintre lorsqu'il pose ses pigments. Là, c'est vraiment intéressant parce que j'ai l'impression que parmi les plus euh, écartés des questions, dans l'histoire de l'art, cette question de la processualité de la peinture au moment de sa constitution, avec les effets déterminants que ça peut avoir sur la configuration finale, elle touche vraiment le regard qu'on a sur la peinture antérieure au 19e. C'est comme si ça n'existait pas, quoi. comme si c'était un problème moderne. En fait, c'est comme si les peintres avant le 19e n'avaient pas vraiment fait de la peinture, mais avaient fait des images en couleur. quoi. Et je ne crois pas qu'on puisse comprendre la peinture dans ces termes. Je ne crois pas qu'on doive écarter la peinture de, de Dirk Boots ou euh, de Quentin Metsys ou, euh, ou de Fouquet euh, comme peinture avec ses problèmes de peinture. Je pense qu'on se doit de garder bien en tête hein, cette, cette réalité. Mais de rien, je suis, je suis content que ça vous a plu. J'aime bien vous lire du Vachet, vous le savez. Inutile d'en appeler à une théorie esthétique, quiconque a fait quelque chose sait pertinemment en quoi consiste ce jeu de questions-réponses. Faire de l'intention quelque chose de statique, en supposant que les résultats final se conforment plus ou moins à une idée initiale, reviendrait à nier une large part de l'intérêt que peut susciter un tableau, tant pour celui qui le fait que pour celui qui le contemple. C'est-à-dire qu'au moment... Salut à toi, mes et bienvenue à bord. Au moment où ce processus se met en branle, ce processus pictural, vous vous doutez bien que rien ne se perd de l'appétit pour lui-même que le tableau prépare à accueillir. D'une certaine manière, il est le territoire, il est le dispositif qui maintient cet appétit de façon continue. Ce qui peut faire pour le peintre l'attrait de la peinture, évidemment, que avant toute autre question de projet et de réponse à une problématisation antérieure, la vraie problématisation, c'est celle de l'appétit. La peinture est une inépuisable disposition au désir de peindre. Et donc, évidemment, un couloir continu de reconfiguration pour ce désir et euh, de changement permanent des conditions de son apparition. La peinture, se produit dans ce cadre. Et ça veut dire aussi que le tableau ne, ne peut pas être simplement pensé comme surface à destination publique, c'est-à-dire comme surface finalement détachée de l'intérêt propre du peintre pour lui-même à, euh, à des fins euh, d'une forme de dialogue social quelconque. Mais en tant que territoire d'advention, expérience de vie complète de l'artiste. Ça ne veut pas dire... Ça ne répond pas à la petite question qu'on a l'habitude de formuler du genre ⁇ Ah ouais, mais tu peins pour toi ⁇ Comprenons-nous bien. Je ne produis pas un objet pour moi-même, peut dire le peintre. Euh, C'est-à-dire que ce n'est pas l'objet que je produis pour moi-même. Ce que je produis pour moi-même, c'est les conditions de sa réalisation. Parce que les conditions de sa réalisation sont les conditions de ma réalisation. Se serait nier en effet la rencontre avec le médium et réduire l'art à une sorte de sphère conceptuelle ou idéale que l'œuvre matérialiserait imparfaitement. Oui, advention, le fait d'advenir, euh, Louisa, comme le Baglitch avait, ouais, c'est ça, advenir. Euh, ça m'intéresse parce que ça donne à la question de la subjectivation une matérialité que le mot subjectivation a un peu tendance à rendre un peu abstrait, tu vois. Donc euh, même si, bon, bah, vous l'avez remarqué, hein, les notions d'individuation ou de subjectivation sont... Obsessionnel dans ma façon de vous, vous parler de peinture ou d'autre chose par ailleurs, le terme d'advention euh, d'un seul coup ancre cette proposition dans une corporité immédiate. Quoi. Or, euh, je tiens pour euh, adventif aussi le corps. Je n'ai pas une vision du tout spiritualisante hein, de, de ces questions. Vraiment pas. Une totalité. Euh... Il n'y a rien ici qui corresponde à une intention. On trouve plutôt d'innombrables moments intentionnels se déployant comme suit. Alors, je vais vous montrer le petit schéma qu'il a fait. Ça peut peut-être nous permettre de comprendre ce qu'il entend par là. Ah, je vous ai reproduit le petit schéma. Enfin, je ne l'ai pas reproduit, je vous l'ai refait. Voilà. Est-ce qu'il y en a un autre Je crois qu'il y en a deux. Ouais, c'est ça. 1, 2, 1, 2, 1, 3. C'est le premier. 1, 1, 2, 1, 3. Ça doit être celui-là. Ouais, c'est celui-là. Hop, Voilà. Voilà, ligne supérieure du schéma proposé par, par Bach-Sandal, intention 1, qui amène à une situation, on pourrait dire I1, et la flèche est production de situation, I2 production de situation, etc. De plus, une telle suite englobe non seulement une foule d'actions et de décisions, mais aussi quantité, et là c'est important, de refus. Et de décisions négatives qui correspondent au moment où le peintre a choisi de ne pas faire quelque chose ou de laisser quelque chose, soit le chemin qu'il y a dessous, vous voyez, qui laisse en plan, passant de l'intention 3 à la 6, à l'exclusion des I4 et I5. Voilà. Donc, ce chemin euh, secondaire, je pense, est plus clair encore et donne une plus juste vision d'un processus hein, possible d'une euh, chaîne d'intentionnalité. Au Berdol, on dirait un schéma de Lacan. <laughs> bon, C'est un petit peu plus clair, ça va. Il ne trouve pas ce schéma trop assommant, on peut, on peut le suivre. Euh, Baxandal n'abuse pas de ce genre de choses. La réponse, on le comprend, doit être nuancée. Il est clair que le tableau de Picasso suppose des milliers de décisions, positives ou négatives, de perceptions, d'anticipations, dont nul récit ne saura restituer la complexité. S'il arrive que la présence d'un repentir ou d'études préparatoires nous permette d'entrevoir quelque chose du travail du peintre, le détail de ses gestes nous échappe toujours. Ceci dit, modérons notre inquiétude. L'histoire de l'art a renoncé depuis longtemps à ses ambitions narratives. Et s'il n'est pas possible de reconstruire un processus, on peut toujours en conserver l'hypothèse. Euh, J'ai lu ce texte en fait sans le lire. Euh, je l'ai lu en m'en abstrayant autant, je suis vraiment désolé. Euh... Il arrive que la présence d'un repentir. Donc un repentir, vous voyez ce que c'est. Hein. C'est quand. Euh... Euh, salut à toi, maman. C'est quand euh, dans un tableau, on peut voir un... une partie peinte qui en masque une autre, qui abritait une décision précédente qui a finalement été changée quand on a changé de parcours. Et. Euh... Voir le repentir, c'est juste un accident de l'histoire quand... Euh... Euh, un, un vieillissement particulier des telle ou telle zone dans la couche et la sous-couche d'un seul coup révèle cet accident ou parfois euh, tout simplement l'expertise contemporaine par des procédés de spectrographie ou ce que vous voulez pour analyser les tableaux permet de découvrir dans les sous-couches des choix préalables qui avaient été faits et la réorientation du tableau et en fait évidemment sous de nombreux tableaux hein, il y a des de repentirs mais il s'agit pas de tant de ça en fait hein. euh, quand il dit, bon, s'il nous arrive que la présence d'un repentir ou d'études préparatoires euh, nous permettent d'entrevoir quelque chose du travail du peintre, le détail de ces gestes nous échappe toujours, c'est que ces repentir, effectivement, ne rendent pas vraiment compte de ce que nous sommes en train de décrire, c'est-à-dire d'un processus continu euh, dans lequel chaque toile ne peut être, au fond, que euh, le projet de la seconde suivante. Et rien de plus, ni de moins. Il n'y a pas vraiment grand-chose qui, contrairement à l'idée qu'on peut s'en faire, qui, qui laisserait supposer un processus pictural dans lequel, je le répète, une peinture soit une formalité. Elle n'est jamais une formalité, donc elle ne répond pas à un programme. S'il n'est pas possible de reconstruire un processus, on peut toujours en conserver l'hypothèse. Il est probablement Inutile de vouloir décrire un processus particulier. Mais la notion générale de processus peut jouer un rôle déterminant dans l'analyse de l'intention qui sous-tend un tableau donné. En pratique, lorsqu'on essaie de rendre compte d'une intention, la question est de savoir à partir d'où et à propos de quoi on pense effectuer des inférences. Sur quel type de matériaux croit-on être en train de travailler à ce moment-là Mais il faut avant tout préciser que les données intentionnelles qu'on infère existent à différents niveaux. Certaines sont perçues comme secondaires par rapport à d'autres. Qu'est-ce qu'il veut dire par là Je crois que l'endroit où on va poser une intention comme secondaire, c'est probablement quand elle, elle sera en dehors du cadre de nos preux, propres fantasmes de réalisation. Il enfin, y a des chances que ça tombe plutôt comme ça. Parce que sur la base de quoi pourrait-on établir une hiérarchie a fortiori parce que une hiérarchie des intentions laisserait supposer quand même un domaine du connu et de l'anticipable de celle-ci. Or, on a bien compris qu'une bonne partie du travail pictural se fait dans le processus continu de la peinture. Et donc, laisse peu supposer un travail hiérarchique. On est plutôt sur une espèce de planéité euh, des intensités euh, de discrimination, c'est-à-dire de choix, euh, d'opérations, de mise à l'écart de telle réussite, de tel changement au profit de tel autre. Toutes ces choses sont faiblement hiérarchisées en vérité. Bon, on ne doute pas que quand vous construisez un tableau, à partir du moment où on accepte l'idée que vous en fassiez un problème, qu'il est quelque chose à problématiser, c'est bien en ces termes qu'on en a parlé tout à l'heure, quand on évoquait les liens euh, potentiels entre Cézanne et Picasso, on parlait bien du problème qui se nouait entre les deux tableaux, plus finalement qu'une analogie de forme, plus que l'écho ou le bégaiement de forme, il s'agissait du travail sur les, les forces problématiques qui euh, organisaient, si vous voulez, le, le, la nécessité euh, de faire ce tableau. bien Donc, on peut en dire, oui, certes, s'il si, 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 y a problème, alors, il y a hiérarchie. C'est-à-dire, il y a des choses plus importantes que d'autres qui vont présider à la réalisation du tableau et qu'on n'a pas du tout envie de s'agouiner. On peut se dire, bon, ben bah, voilà, dans, dans ce tableau-là, bon à la limite, si je foire un petit peu cet aspect-là de la peinture, c'est pas grave tant que je reste concentré sur le truc qui me hante, le problème euh, euh, important pour moi. Tableau Kiri, tableau à moitié dans ton lit. <laughs> Docteur Wack, qu'est-ce qui t'arrive Mon <laughs> Dieu. Ah oui, je ne comprends plus ce que vous dites. Il y a toujours une heure à partir de laquelle je cesse de vous comprendre. Le problème qui se posait à Baker sur le site de Queens Ferry comportait deux données essentielles, Donc, deux données à, partie, à côté desquelles peut-être d'autres données pouvaient sembler euh, secondaires. Pareil. Il fallait un pont à grande portée, capable par ailleurs de résister aux pressions des vents latéraux. Alors, on l'a bien compris, et ce qui avait probablement fait effondrer le premier pont sur le Thé, euh, c'était les vents latéraux. La solution passa notamment par l'utilisation de l'acier. Mais du coup, Baker se trouva devant une série de problèmes annexes. L'acier, par exemple, ne résistait pas très bien aux contraintes de cisaillement. Donc, le fameux vent latéraux. Hein. Ce problème, second ou dérivé, lié à la nature même du matériau, fait partie des questions que Baker parvint à résoudre grâce à son jeu de poutres tubulaires et de poutres à treillis. Donc les fameux deux types de poutres hein, qu'on avait vus. Or, au cours de notre analyse du portrait de Kahnweiler, nous avons vu surgir des phénomènes similaires. Pour tenter de saisir la complexité des problèmes que Picasso élabore à partir de sa directive de départ, j'ai proposé dans la section 2 de ce chapitre trois sortes de conceptualisations mettant en évidence la diversité de ses préoccupations dans les toutes premières années du cubisme. Une tension entre le caractère bidimensionnel et tridimensionnel de la toile. Un conflit de priorité entre la forme et la couleur, c'est-à-dire fait l'objet de la conversation tout à l'heure hein, avec Louisa, justement, et une contradiction entre une expérience inscrite dans la durée et une instantanéité fictive. Bon, ben, à plus tard, Anticapacitiste, et à plus tard, euh, Donio. Donc vous voyez, euh, évidemment, tous les problèmes qu'on a déjà évoqués ensemble. Donc l'expérience inscrite dans la durée, évidemment, qui est les modalités de production euh, de la toile d'une part, mais aussi les modalités euh, expérimentales euh, sensibles de euh, l'objet de votre observation. Tout ça s'exprime dans une durée, durée que d'une certaine manière la peinture prétend compacter dans une instantanéité euh, dite fictive. Elle est tout entière ramassée. J'avais choisi, pour vous en donner un exemple cinglant, le très beau tableau du musée de Bordeaux, du de Cotter, hein, avec la chute de la plume sur le cadavre de l'oiseau dans la nature morte. Tu reviendras quand tu seras moins amorphé. Eh bien, tu es toujours le bienvenu, Donyon. Ces questions et quelques autres peuvent être considérées comme des problèmes de fond. Bien sûr, entre 1906 et 1912, chacun de ces problèmes prit tour. A plus ou moins d'importance. Non, pas pris tour, a pris tour à tour plus ou moins d'importance. Certes, ce n'est qu'une question de priorité, parce qu'ils sont là en permanence, exactement ce que je vous disais par rapport à la question de la problématisation et la hiérarchie éventuelle des lignes de ce problème. On peut tout à fait imaginer un architecte qui euh, décide que sur tel bâtiment, il veut vraiment soigner la poignée de, la poignée de porte et, et au moins ça. Le reste, bon, c'est toujours les mêmes problèmes. Tous les problèmes sont toujours là, de toute façon. Mais sur celui-là, quand même, vraiment la poignée de porte, j'aimerais aller au bout de cette question. Et bon, tant pis si euh, j'ai une maison euh, pas super intéressante. Si j'ai réussi mes poignées de porte, ce sera déjà super. <laughs> bon, j'exagère à peine, mais cette question, elle est, elle replace la peinture dans... D'une autre dimension, finalement, que celle d'une espèce d'image un peu quintessentielle, euh, comme tombée du ciel, visant à sa propre apparition ou disparition, euh, pour la pensée vraiment comme un lieu, un espace de problématisation sensible. Bien sûr, entre 1906 et 1912, chacun de ces problèmes prit tour à tour plus ou moins d'importance, euh, et donc ils sont toujours en permanence là, ces problèmes. Les demoiselles d'Avignon les avaient mis brutalement en évidence. Mais dès que Picasso, on les revoit, on va se remettre sur la demoiselle, comme ça on, on va rester un peu dans notre sujet. Hop. Dès que Picasso se confronte au médium, pour parler de manière un peu schématique, et pense en termes de solutions. Il découvre des problèmes annexes, chaque tableau mettant en jeu un répertoire renouvelé de questions. Or, sur le coup, ce sont bien souvent ces questions qui retiennent toute l'attention du peintre. Ce qui explique notamment les décalages fréquents qu'on observe entre ce que les peintres disent de leur propre produ production et ce qu'on peut en voir. Vous comprenez l'écart, hein, la parallaxe qui peut en exister. Parce qu'effectivement, la valeur d'un problème pictural pour un peintre est à la hauteur de son investissement pulsionnel, de ce qui s'est passé pour lui à l'intérieur de ce tableau. Et devant... Cette chose parachevée, euh, terminale, fr frontale et effectivement instantanée que vous recevez quand vous re recevez un tableau, vous n'avez pas le suivi problématique et vous avez encore moins l'intensité problématique. C'est quoi encore cette citation? Effectivement, elle est très approximative. Est-ce que j'ai vraiment dit ça? Comme ça, en ces termes. Mmh Alors, il est clair, en cette année 1910 où Picasso peint le portrait de Kahnweiler, un certain nombre de problèmes fondamentaux sont encore en cours de résolution. Non seulement ils annoncent les développements à long terme qui nous intéressent, mais ils nous fournissent les termes généraux à partir desquels il devient possible de comprendre l'intention qui sous-tend telle ou telle toile. Ceci dit, en surface, les choses sont beaucoup plus complexes. De toile en toile, on voit surgir toute une série de problèmes secondaires, tertiaires, ainsi de suite, hein, en évolution permanente. Et les réponses de Picasso sont étroitement liées à sa propre évolution. Et ici, c'est notre capacité à saisir ce développement, notre connaissance de ce qui a précédé, de ce qui a suivi un tableau donné qui entre en jeu. C'est une grande complexité pour nous, pour comprendre notamment la peinture du passé. C'est que plus on plonge dans le passé, moins on dispose de cette conjonction intellectuelle, poétique, prospective, spéculative, spéculative picturale, artistique. Donc. Moins on dispose de tous ces éléments. Tout n'est pas là entre nos mains. Il nous manque dans, euh, souvent. Dans l'ensemble de la production, les 9 10 d'entre elles. Quand vous commencez à vous intéresser à la peinture du 14e siècle, euh, même des fois pour certains peintres du 15e, hein, on évoquait Konrad Witz à cause de, de l'iconoclasme luthérien ou calviniste, et euh, bon, on n'a pas grand-chose, on doit avoir une poignée de tableaux. Ou Goran Dergose, qui est un peintre absolument génial, qui a une influence majeure sur les artistes de son temps, on n'a presque rien, on doit avoir 5-6 tableaux, euh, à part le... Oui, c'est ça, enfin bref. Euh, c'est pas rare, ou Fouquet, ou plein, plein de gens comme ça, euh, des artistes vraiment importants. Des fois, on a juste euh, une, deux œuvres. Euh, de l'homme qui a fait les cartons de la tenture de l'Apocalypse, euh, au fond, on ne possède pas grand-chose. On croit avoir enfin trouvé une deuxième pièce qui serait euh, à Autun, je crois, euh, qui serait à Saint-Christophe. Donc, s'il nous manque tout ça, vous comprenez aussi qu'il nous manque un cadre hein, euh, qui n'est pas simplement un cadre d'expertise c'est aussi un cadre sensible. Ce n'est pas qu'un problème intellectuel en fait, parce que une œuvre, euh, une peinture, doit vraiment être pensée comme articulée à toutes les autres de son auteur. Comme un moment d'un long processus qui ne trouvera son achèvement que par la fatalité de la mort, qui n'a rien à voir avec le sens, mais qui en tout cas euh, viendra clôturer le problème <laughs> d'une certaine façon. Et qui pourra nous faire dire à ce moment-là, bon, voilà l'œuvre, on la tient, parce que de toute façon, il n'y en aura pas d'autre. Ça ne veut pas dire qu'on la tient parce qu'elle a atteint son but, puisqu'elle ne peut pas l'atteindre. Mais en tout cas, voilà, l'affaire est close par la mort. Regardons ce que nous avons. Et euh, nous n'avons pas toujours grand-chose pour certains artistes. Donc, quand vous pouvez avoir les choses, alors faites, faites ça, quoi. cest à quand, si vous vous intéressez à un tableau de, de Bronzino, par exemple, parce que vous craquez... Hein, sur la peinture de Bronzino, bon, lui, il n'a pas vécu très vieux, mais il y a pas mal de choses à Florence et ailleurs. Ça vaut le coup de voir où elle se situe dans son œuvre. Qu'est-ce qu'il y avait juste avant hein, Et puis, euh, qu'est-ce qu'il euh, qu qu y aura après Est-ce qu'il y a quelque chose après ah, Je crois qu'il y a une, une commande qui fonctionne pour mort. Et si vous n'en abusez pas, sachez que j'ai remis les commandes vocales. Tant qu'elles ne me servent pas à me clôturer le bec. <laughs> Elles n'ont pas été faites pour ça. Ah, euh, qu'est-ce que je dis ça Pour cause du double emploi avec la droite, la mort a été annulée. Non seulement ils annoncent les développements à long terme qui nous intéressent, mais ils nous fournissent les termes généraux à partir desquels il devient possible de comprendre l'intention qui sous-tend telle ou telle toile. Euh, ceci dit, en surface, les choses sont beaucoup plus complexes. De toile en toile, on voit surgir toute une série de problèmes secondaires, tertiaires, et ainsi de suite, en évolution permanente. Et les réponses de Picasso sont étroitement liées à sa propre évolution, et je viens de vous relire le même chapitre parce que je suis con. Euh... <laughs> je suis perdu. Je suis perdu. Euh... Bon, et ici, c'est notre capacité à saisir ce développement, notre connaissance de ce qui a précédé, Tata Voilà. Nous avons à la fois une vision tournée vers le passé et une sorte de Ressentiment. Voici quelques-uns des problèmes dérivés qu'on peut trouver dans le portrait de Canbala. On y retourne. Il y a d'abord le problème encore aggravé par l'abandon d'une délimitation nette des contours de la figure, que pose la distinction entre la figure et le fond, entre le personnage et ce qui se trouve autour de lui et derrière lui. Donc, on va regarder ça. Alors, la question est de savoir. Est-ce que c'est un problème ou est-ce que c'est au fond l'image la plus assurée de rendre sensible la problématisation elle-même Donc, est-ce le problème du problème Dans un premier temps, la solution passa par le jeu des tons et des nuances de couleurs. Le personnage plus sombre se détache du fond légèrement plus jaunâtre qui l'environne. Vous voyez là, en tout cas c'est vrai pour la masse correspondant plus ou moins à l'endroit des cheveux que vous voyez là. Et euh, vrai également pour le plastron, que vous voyez ici. Alors il faudrait que vous voyez un petit peu mieux que ça, parce que je vois que vous n'avez pas la partie inférieure, ce qui est dommage quand même. Voilà, voilà. Attendez, on va corriger légèrement ça. Parce que je trouve que l'espace le, est un peu chiche. Ici, dans la partie supérieure. Voilà, c'est mieux comme ça. C'est mieux, hein On est d'accord Voilà. Tu te posais quelle question, Glitch Tu te posais la question dans la semaine de. Quand peut-on dire là je m'en tiens là Alors qu'en vérité on reprend, on continue directement ou indirectement plus tard. Je vais faire comme si je n'avais rien lu. Ça, question de glitch des fois me pique encore plus la tête que le texte que je suis en train de lire. Les saligots. Donc voilà, vous voyez un peu mieux cet, euh, cet aspect, euh, sinon du problème, en tout cas d'un apport de, de solution. Mais ce traitement soulève un autre problème. Étant donné l'expérience visuelle que nous avons du monde, et plus particulièrement des tableaux, il est très difficile de ne pas interpréter ce genre de variation en termes de variation lumineuse. Alors, vous vous en doutez, ce n'est pas l'enjeu. L'enjeu, vous l'avez compris, ce n'est pas de retrouver certaines des formules euh, plastiques euh, d'une espèce de, de, comment, de rapport sensible impressionniste, mais bien de trouver des solutions architecturales, architectoniques, pour composer des nouveaux rapports dans les questions habituelles de la peinture. Euh, entre les, différentes, euh, comment, les différents opérateurs constitutifs du tableau et les relations entre l'objet euh, représenté et sa représentation. Donc euh, deux tensions fondamentales qui ne doivent pas se ruiner l'une l'autre. Or, cette question est liée à son tour à un autre problème. Qui concerne cette fois-ci le sort plus large de la couleur, ou plus précisément de la gamme des tons. Car fondamentalement, ce tableau repose sur deux tons. Vous voyez, elle a une gamme chromatique, on va dire, plutôt ocre, et l'autre un camaillot de gris. Quoi. Le problème alla en s'aggravant pendant presque un an. un moment, où on frôla la monochromie, puis la question fut à demi-résolue, à demi-esquivée, par une utilisation indépendante de la couleur, qui échappe. L'objet et par une redistribution de l'ensemble des touches colorées qui forment maintenant des configurations plus autonomes. Et c'est ici Braque qui a pris l'initiative car Picasso suivit avec un peu d'hésitation. Donc, ça, c'est une donne hein, qui est constante dans les, les premières périodes cubistes qui sont quand même un peu, un peu compliquées. Et euh... ah. bon, je peux vous montrer comment ça, ça apparaît hein, dans, dans la peinture. Euh... Voilà, là on est vraiment coincé dans une application de 1910, dans cette période qu'on a appelée euh, analytique. Et vous pouvez voir, euh, effectivement, ce n'est pas une impasse, mais les moyens qu'il se donne, euh, de ce travail de décomposition formelle et de mise à plat, finalement, de tous les types de relations euh, avec tel objet dans l'espace tabulaire du tableau sont tellement hantés par la nécessité de trouver une procédure finalement satisfaisante dans la, la configuration que bah, on arrive au monochrome. Quoi. Euh, plus tard, d'autres solutions vont être apportées, à des moments plus synthétiques. Hein. Euh, et voilà, ça c'est Braque qui répondait autrement à la question avec... Ce fameux apport de la couleur dont on parle, même année ou presque, on est dans les années, tout début des années 10. Il y a une manie dans le chat pour que je réponde à la question. Est-ce est -ce que c'était vraiment une question ben, Est-ce est que c'était vraiment une question Il se pose la question quand peut-on dire là, je m'en tiens là Alors qu'en vérité, on reprend au contenu directement directement plus tard. Je, Puis-je répondre à cette question Ah <laughs> C'est pas le bon. Ah, le bon truc, je n'ai pas utilisé la bonne molette, voilà. Bon, d'accord, on va essayer de répondre à ça. Je vais répondre par une phrase qui va avoir l'air d'une rare sottise, mais elle ne peut pas avoir d'autre forme en fait. Un tableau, glitch n'existe pas autrement que sous la forme qu'il a. Pour le penser, il faut le penser en temps qu'il est lui-même, qu'il est son propre déterminant. Et ceci n'est vrai qu'à la condition qu'il ait été lâché. Il est indifférent qu'il ait été lâché à quelque moment que ce soit, pour donner plus de valeur ou pas à cette détermination. Ça veut dire que quand bien même, d'une certaine manière, il aurait selon le jugement de l'expérience qui en est faite par l'artiste lui-même, était un peu trop loin. Il n'en est pas moins la seule forme qu'il pourrait avoir. Maintenant, l'autre question qui est implicite à euh, ta question, c'est comment se pose-t-il alors comme commencement de quoi que ce soit dans un continuum C'est oublier que le continuum en question n'est que la vie elle-même, Glitch, et pas l'idée qui serait euh, fausse d'une linéarité tableau à tableau, se dépliant comme un collier, trouvant sa fin avec la mort. Ce n'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, et c'est très remarquable quand on voit par exemple l'œuvre de Picasso, alors, je ne connais qu'une exception notable, et encore elle mériterait d'être euh, questionnée par les activités qu'entourent les tableaux eux-mêmes, c'est évidemment l'autoportrait de Opalka, hein, avec la suite euh, chiffrée continue euh, tout au long de son œuvre, mais qui n'est pas qu'elle-même, puisqu'elle est ponctuée également de prises de vue photographiques, euh, d'enregistrements sonores, il faudrait la comprendre dans la complexité de ce dispositif, Mais, et notamment dans la question de la superposition à la vie elle-même. C'est-à-dire dans le coup... D'une construction au moins symbolique de la vie comme linéarité. Ce n'est pas du tout le cas quand tu regardes l'œuvre d'un Picasso ou de la plupart des artistes, euh, a priori, qui ne pose pas la seule même question de long en long, mais qui, ou pas le même aspect de la même question de long en long, qui passe d'un état à un autre d'une problématisation, d'un filet à un autre de cette problématisation, en jonglant à des moments de vie entre différents de ces aspects. Ce qui fait que telle toile ne reprend pas la précédente à un moment linéaire, si tu veux. Il y a plutôt un ensemble problématique qui est co-fécondant, toile à toile, et qui constitue bon en mal en cette chose qui, je le répète, n'existe qu'en tant qu'elle est elle-même. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire quand j'ai dit le tableau n'existe qu'en tant qu'il lui qu qu est qu lui-même, l'œuvre n'existe qu'en tant qu'elle est qu'elle-même Ça veut dire qu'il n'existe pas d'appareil de mesure pour la définir et la déterminer autre qu'elle-même. Il n'y a pas d'extériorité prismatique qui permette d'affirmer ce qu'elle est. Il n'y a pas d'appareil de mesure pour la juger en dehors de ce qu'elle est pour elle-même. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si, en tant que proposition, elle doit être prise au sérieux comme unité propositionnelle et problématique, trouvant sa fin dans la peinture, alors elle est ce qu'elle est. Voilà. J'ai répondu, j'espère, à la multiplicité des aspects que contenait ta question, qui effectivement, tu le vois, est complexe, d'où piquage de tête, petit coquin. Voilà, vous avez vos réponses, bande d'affreux. Où j'en étais J'espère que ça te convient, Glitch. La question de la monochromie est Braque qui y répond. Voilà, ici un tableau de Braque. Donc. Salut Phil Morteau. Mais cette solution qui crée une sorte d'écran cognitif entre le peintre et le spectateur, elle est à son tour entrée en conflit permanent avec le jeu des masses et des volumes ambitionnés par le cubisme. Il y a aussi le problème, et le masque africain qui contribue à le mettre en évidence, regarde justement dans cette direction, que posent les restes d'un traitement tonal du modelé induit par la source lumineuse qui vient de la droite du tableau. Alors ça, c'est un vrai problème. C'est que si effectivement vous construisez un dispositif, alors on va retourner sur le portrait de Kahn-Beiler qui est là, vous construisez un, un dispositif qui vise à éteindre les modalités par lesquelles, habituellement, se construisent les rapports à l'espace pictural, notamment la représentation illusionniste dans des espaces perspectifs ou des choses de ce genre. Vous créez une composition qui tente d'y répondre avec certains moyens, là, les moyens du cubisme, si vous voulez, et euh, vous produisez un nouvel objet qui, d'une certaine manière, hérite pas seulement des propriétés que vous avez mises en place, mais aussi des usages de la peinture et la façon de la regarder. Comme le disait tout à l'heure Bach-Sindal, il y a fort à craindre que là où vous avez touché à des espaces de dégagement de telles surfaces par la mise en forme d'espaces de de, de, plus clairs, eh bien ce soit perçu, évidemment, comme un embrasement lumineux et pas comme un, euh, une construction pas à pas zone à zone de questions picturales. Et de la même manière, il n'y a pas un renoncement total sur ce portrait de Gannweiler, comme vous pouvez le voir, et notamment sur le visage. Vous voyez bien que dans l'espace chromatique qui nous est donné là, tout arbitraire que peuvent sembler relativement à la question d'un illusionnisme lumineux, euh, ce montage, en vérité, il hérite sur sa droite qui vient le frapper d'une construction traditionnelle, au moins par certains endroits. Et qui va avoir des répercussions euh, sur notre compréhension de la totalité du tableau. Hmm. Le visage de Ken Weiler, marqué par un épais effet de pâte, montre clairement la difficulté. Ainsi, le menton et la joue droite concave s'inspirent de la sculpture africaine. La question de la recomposition des visages préoccupe visiblement Picasso en cette année 1910. Alors la visagéité, c'est vraiment une des grandes questions de, de la peinture et sa mise à l'épreuve, elle est constante. Où on a les exemples en tête de Arnold Freiner avec ses, les taches sur photo, de Saura qui va vraiment assez loin dans la destruction de Francis Bacon évidemment par les emportements de masse euh, de visage pour mettre à l'épreuve la visagéité de sa tenue, son caractère tenace de voir par où elle résiste ou toute la peinture de Martin Bruno évidemment qui travaille énormément là-dessus. Bref, il y a énormément de peintres qui travaillent sur cette question mais euh, ça appartient beaucoup à l'histoire de l'art de vie moderne, de se questionner sur cet aspect-là, à savoir le caractère tenace de la visigéité et de l'excès de peinture jusqu'auquel jusqu on peut aller pour avant de la faire vaciller, et sombrer. Quoi. Et ça, ça doit représenter aussi des formes de réponse à des relations, hein, à euh, l'espèce d'intangibilité, de l'épreuve de la rencontre entre deux personnes. Et les, la volonté de représentation. Dans le portrait de Volard, alors portrait de Volard, je crois que je l'ai aussi. Est-ce que je l'ai mis là Oui, il est là. Voilà, voilà le portrait de Volard. Dans le portrait de Volard, qui date du printemps de la même année, la difficulté semble avoir été simplement esquivée. On voit bien qu'elle. Lorsqu'on ferme à demi les yeux. Le visage de volard, pourtant perçu d'un point de vue phénoménal, prend le relief d'une photographie. Donc il radote un peu, puisqu'il l'avait déjà dit, euh, je crois, Kahnweiler, mais on va refaire cette expérience. Voilà, là, vous avez le point sur le visage de volard dans le tableau. Et vous voyez effectivement que si on le passe au flou, voilà, donc l'effet que ferait à peu près un plissage des yeux, on retrouve une sensation photographique d'organisation des masses lumineuses qui viennent frapper un visage tout à fait euh, classique. Donc, il écarte, par un effet de trucage, finalement, les questions qu'il prétend mettre en branle et qui, en fait, ne sont ici qu'effleurées. À côté flou, de ça... Hein... C'est flou, flou, flou. <laughs> à côté de cela, un autre problème avait commencé à se poser durant l'été euh, 1910. fallait il représenter les rapports d'échelle entre les objets de manière absolue ou d'un point de vue purement perceptif. La question des rapports d'échelle, évidemment, euh, absolu ou perceptif, bon, cette question, je vous l'éclaire, mais vous allez comprendre tout de suite. Sur un plan, par exemple, vous avez des rapports absolus. C'est-à-dire, il n'y a pas d'angle de vue sur le plan, a priori. Il y a une espèce de, de vision complètement désincarnée qui met en confrontation pas à pas tous les éléments d'une composition avec un rapport d'échelle absolue des objets les uns par rapport à autres Évidemment, le rapport d'échelle perceptif est supposé que s'il y a un regardeur, alors le regardeur lui va infléchir, va changer les rapports de proportion entre les différents objets. Par l'effet de l'éloignement des objets, qui vont devenir plus petits pour lui, il va construire une hiérarchie dans la profondeur hein, des formes, des présences et des proximités. Donc, il va y avoir un changement des rapports d'échelle par la perception. Voilà ce que vous devez entendre par les rapports, euh, absolus et perceptifs des échelles. La question est très clairement posée vers le milieu droit du tableau, près du personnage. Alors, ça, on va regarder ça. On retourne au portrait de Cadweiler, puisque c'était lui euh, l'objet de cette interrogation. Voilà. Alors, il a dit, la question est très clairement posée vers le milieu droit du tableau, près du personnage. Ici. Oui, se passe euh, pas grand chose, on va dire. Voilà. Là, une espèce d'assemblage étrange qui vise à atomiser. Euh, les rapports d'échelle entre personnages et fonds au point de rendre complètement indistinct en fait tout ça puis vient les problèmes des différentes textures ainsi le travail des pointillés sur les marges a dû être à peu près aussi ennuyeux à faire qu'il l'est à regarder. <laughs> <laughs> Nous voyons les marches, ce qu'il appelle les pointillés, ennuyeux à faire autant qu'à regarder. Le caractère évanescent, cette disparition qui vise un peu les effets de vignettage, peut-être, qu'on peut trouver sur la photographie, euh, qui pose un autre problème, en fait, euh, que vous pouvez facilement comprendre. Quand, quand on compose à la Renaissance, quand on compose un grand retable gothique, bon, la question de euh, la marge est sans importance, puisque les volets, sont à penser comme des espèces d'unités euh, opérationnelles à juxtaposer les unes entre les autres dans la grande composition du polyptique, et fonctionnent comme ça, comme des éléments qui cohabitent. Passer à la représentation dans un espace qu'on pourrait dire simultané, celui d'une construction en perspective, si vous voulez, va se poser la question en des termes historiques. Et à l'histoire, qui fait l'objet de la peinture, doit être contenu par le tableau, et on peut dire que la limite, bon, et bon, normalement, elle est donnée par euh, cette nécessité d'y faire apparaître la totalité des éléments et des figures nécessaires à cette construction. Euh, à partir du moment où la question va être perceptive, donc au 19e, avec des, euh, des rapports au monde qui sont des rapports qui se supposent des rapports d'observateurs, Peinture impressionniste par exemple, mais ça peut aussi être celle de Courbet. Alors la pensée de la limite va vraiment être celle de l'expérience individuelle et du coup individuante pour celui qui regarde le tableau du champ de vision. Maintenant, si vous vous posez les problèmes devant ce tableau-là, vous devez comprendre qu'il ne peut qu'en être tout autrement. En gros, il faut trouver une raison qui est pratiquement liée à la question posée que posait Glitch, non plus en termes temporels, mais en termes spatials. Comment on arrête ça Comment on détermine la question du bord comme appartenant au problème et devant à un certain moment être arrêté parce qu'il faut bien arrêter quelque part Mais quelles solutions picturales trouver qui n'appartiennent pas à un nouvel illusionnisme, c'est-à-dire portion de totalité. Vous comprendrez bien qu'on doit exclure la notion de portion de totalité, puisque cet illusionnisme-là est soustrait à la problématique cubiste. Donc il ne doit pas s'y retrouver à cet endroit-là. Vous voyez les difficultés intellectuelles devant lesquelles on se trouve. Voilà, voilà. Euh, Est-ce que j'ai été clair C'était compréhensible ce que je vous disais J'aime bien quand il dit le travail il a dû être aussi ennuyeux à faire qu'il l'est à regarder. Dis donc hein, qu'il est cruel. Comme le disait Kahnweiler qui parlait en connaissance de cause, on pouvait se demander si la peinture à l'huile convenait bien à ce genre d'entreprise. D'où la panoplie de moyens qui se mettent en place dans les deux ans qui suivent, toujours à l'initiative de Braque par ailleurs, collage et papier collé. Peigne de décorateur, sable et gravier fin, mélangés à la peinture à l'huile. Donc, ça, c'est les trucs qu'on voyait tout à l'heure. Donc, ça, c'en est un euh, de Picasso. Hein. Ça, c'en est un de Braque. Voilà quelques-uns des apports de solutions potentielles. Hein. <laughs> J'ai bien plus beau que la peinture à l'aune du Dr. Wack. Ouais. Oui. Est-ce vrai Je ne crois pas. Notamment que enfin, l'idée qu'on s'en fait, elle, elle est vraiment, euh, finalement, assez insouciante des œuvres d'art qui forcent le plus... Euh, L'admiration, quand on sait qu'au fond, quand on parle des paradigmes de la peinture, on pense presque systématiquement au Quattrocento italien, tu vois, la Renaissance italienne, et qu'en fait, la plupart des peintres italiens peignaient à l'eau. Enfin, c'est des températs, c'est pas des huiles. La peinture à l'huile, elle va vraiment exploser un siècle après, et dans une petite portion de l'Italie, euh, Venise principalement. Mais il va falloir du temps pour que ça intéresse les Italiens. Les Flamands vont adorer la peinture à l'huile très vite. Ils vont. De la créer, je crois. enfin, On, on attribue plus ou moins à l'entourage de Van Eyck l'invention de la peinture à l'huile, euh, qui serait plus ou moins alors, euh, légende, je ne sais pas, ramenée en Italie par Antonello da Messina. Je ne sais pas si c'est vrai, et je vous dirais bien que je m'en fous un petit peu, mais c'est assez drôle d'avoir une, euh, une telle ritournelle, alors qu'au fond, nous admirons beaucoup plus la peinture à l'eau, en fait. <laughs> alors. C'est une autre question glitch parce que celle-là, je, je ne la comprends pas. Oh, comme c'est vilain cette belgophobie, docteur Wack. C'est une honte. Au piqué. Je vais faire une petite commande au piqué. Alors, euh, où on en est D'où la panoplie de moyens qui se mettent en place, collage, etc. Surtout, il y a le problème mis en évidence par la nature morte qui occupe le coin inférieur gauche du, plat, du tableau. Alors qu'on va regarder là. Où es-tu, portrait de Canvey là À chaque fois, je vais le chercher un peu loin. Il est où ce con Il est là. Voyons cette nature morte. Voilà. Vous voyez ici, à gauche. pour parler de cette fameuse question des rapports d'échelle, etc. Nous savons que c'est une nature morte à cause justement de la place qu'elle occupe et à cause de la bouteille qu'on distingue à son sommet. Mais sans les indices, on pourrait aussi bien penser que c'est une de ces collines qu'on voit dans les villages espagnols où Picasso avait passé l'été. Alors je pense qu'il fait allusion à ça précisément. Les fameux paysages qu'on regardait un peu tout à l'heure, c'est ces trucs-là. Ça pourrait être tout à fait ça, hein, en plus petit au fond. Euh... J'ai pas la baie de Kadakès, mais j'ai des versions de Cadaquès par deux reins. ça c'est deux reins. Comme quoi il s'est intéressé un peu au cubisme aussi. Hein. J'en ai pas d'autres Picasso. Voilà, ah, bah c'est nature morte. Le problème peut se formuler ainsi. Quelle est l'importance relative de l'objet immédiat de l'analyse, d'une part, et du système d'attente, de l'autre, qui s'est développé chez le peintre au contact des différentes catégories d'objets, supposant à chaque fois un mode d'interprétation spécifique Donc un, une sorte de décloisonnement de territoire, quoi, presque stratégique, dans les conditions d'observation pour faire ce portrait, devant les différents éléments qui, tôt ou tard, vont composer le tableau. Faisait une espèce d'équivalence euh, étrange à ce moment-là, de cette partition, à la fois devant le monde des objets et devant la composition qui en rencontre sur le tableau. Une grande part de l'intérêt qui allait suivre est qu'il est convenu d'appeler cubisme synthétique tient dans la volonté de résoudre cette question. Le tableau de Picasso apparaît donc comme un épisode particulier dans une suite de positions et de problèmes et de recherches de solutions. C'est pour ça qu'il a choisi un tableau assez précoce, si vous voulez, dans la, le questionnement cubiste, pour qu'on soit justement soumis à la forme même du problème tel qu'il apparaît encore visiblement comme problème. C'est-à-dire tel que, d'une certaine manière, les solutions ne sont pas encore réellement apportées à l'intérieur du tableau. Dans cette optique, nous attendons, pour ainsi dire, ce qui va venir. Cependant, le tableau, ou plutôt le fait que Picasso ait cessé d'y travailler, constitue aussi une sorte de déclaration d'intention après coup. Celui qui, pensant en avoir fini avec un travail, répondant là à Glitch, à ses questionnements, décide de l'abandonner, fait par là même une déclaration d'intention rétrospective ou se réclame rétrospectivement d'une intention ou les deux à la fois. Qu'il est ou pas achevé, la fin du tableau dit quelque chose aussi des relations, soit d'assouvissement complet de cette directive, soit du sentiment d'inassouvissement en cours qui est lisible dans le fait d'un abandon. C'est-à-dire que pour peu qu'on puisse dégager la directive, la voir abandonnée nous dit quelque chose sur le sentiment du peintre de ne pas avoir trouvé sous cette forme cette solution. ou les deux à la fois. Implicitement, il reconnaît que ce travail le satisfait jusqu'à un certain point, ne serait-ce que parce qu'il lui a permis de comprendre qu'il valait mieux l'abandonner pour entreprendre autre chose. Fort de la leçon qu'il a tirée de ses semi-échecs, il peut alors envisager certaines améliorations. Cette pause dans le développement du travail est souvent un moment difficile. On pourrait écrire une brève histoire de l'art européen autour de cette angoisse de l'achèvement ou du syndrome de protogène, et le Picasso des années du de cubisme en ferait partie. Alors syndrome de protogène, je, je suppose que on fait allusion à la colère de protogène hein, qui est décrite par Pline dans le livre 35. Je vous ai déjà dit que cette anecdote, on l'attribue à d'autres peintres. Pline lui-même, je crois, la, la bégaye. Il la raconte deux fois en attribuant le jet de l'éponge à, à deux reprises. L'une fois pour faire l'écume à la bouche d'un cheval et l'autre, je ne sais plus. Il faudrait se replonger dans le livre 35 de l'histoire naturelle pour se souvenir avec exactitude. Mais furieux, en gros, de ne pouvoir rendre saisissant tel ou tel aspect. Euh, fulgurant, euh, telle Ruthmos, telle vie même qui anime la peinture, euh, protégène aurait jeté une éponge de, pleine de peinture, de colère, à l'endroit même où devait se trouver l'écume du cheval et trouver là sa solution. Voilà. L'angoisse de l'achèvement, oui, c'est l'angoisse, l'angoisse de l'achèvement, l'angoisse de l'achèvement. D'accord. Hum. Une réponse fournie par Monty Python in the Holy Rail. On parle du pont et du, du lapin, c'est ça Pour traverser le lapin, le, le pont euh, C'est le, le lapin qui, qui, qui déchiquette les gens Alors, euh, il, se trouve, il se trouvait un peu dans la position de l'artisan d'autrefois qui signait non pas X, un machin, fait sit, mais X fassiez l'imparfait indiquant seulement donc fait ou a fait euh, en latin l'imparfait indiquant seulement qu'un tel avait travaillé à tel ou tel objet un certain temps on sait et euh, c'est même l'un des rares cas où l'on dispose de documents susceptibles de nous éclairer sur ce qui se passait en lui durant ces années que Picasso était particulièrement sensible à cette difficulté il considérait les demoiselles d'Avignon comme un tableau Inachevé. Pour lui, c'était un tableau qui posait des problèmes plutôt qu'il n'apportait des solutions. On va revoir ce tableau. Et... Donc, il le considère comme inachevé. Quelques mois avant, dans cette année 1910, le travail entrepris avec la femme à la mandoline n'avait été interrompu que parce que le modèle n'avait plus voulu poser. Enfin, je l'ai aussi. Euh, on peut regarder cette femme à la mandoline. Je crois qu'elle n'est pas loin. Elle est là. Par ailleurs, assez nul, je trouve, ce tableau. Il est presque tarte comme du glaise. Ah, mais bon, il n'est pas fini. Donc, on ne peut pas le lui reprocher. On ne sait pas jusqu'où il aurait été avec ça. Picasso déclara par la suite que c'était peut-être aussi bien ainsi, donc il se rendait peut-être compte qu'il allait dans le mur avec ce tableau. En 1912, lorsqu'il s'engagea à vendre toute sa production à Kahnweiler, à des prix qui seraient fixés en fonction de la dimension des toiles, il s'assura, et ce furent ses seules véritables conditions, qu'il pourrait conserver les dessins déterminants pour le développement de son travail. Les dessins que je jugerais nécessaires pour mon travail, a-t-il écrit littéralement, et que lui seul déciderait si un tableau était ou non fini. Vous vous en remettrez à moi pour décider si un tableau est terminable. » Les dessins à conserver laissent supposer qu'ils ont une vocation dans le travail de Picasso de n'être pas constitutifs d'une relation unique entre tableau et préparatif mais bien plutôt comme prise plus générale de notes pour exposer une problématisation. Sans quoi il aurait été indifférent de conserver ces dessins qui n'auraient été que les esquisses pour tel ou tel tableau. Mais ils sont autre chose. Alors je ne sais pas pourquoi le modèle ne voulait plus Louisa. Et ce pas la peine de le supposer avec des airs implicites, nous n'en savons juste rien, en fait. Moi je ne sais pas. Alors. Je, je sais bien que vous tenez beaucoup à nous rappeler que Picasso était un beau salopard, mais ça ne doit pas nous transformer en, en instigateur de doutes systématiques. Alors, mais non pas le lapin, le message laissé par Joseph d'Arimati sur les parois des grottes de Carne dont l'entrée est gardée par le lapin qui tue. Oui, c'est ça, un message, sachant pas ARG, ARG dans le texte. Mais je vois. D'accord. J'avais oublié le nom de la grotte, dis donc. Carne mais c'est très très vieux tout ça. Hein ce film est quand même sorti il y a un bon nombre d'années. Alors, euh, j'ai des souvenirs plutôt flous en fait. Je crois que c'est celui que j'ai le moins vu des Monty Python. Pourtant, il est drôlement chouette. Peut-être que le modèle trouvait le modèle Tarte. Euh, je ne sais pas ce que le modèle trouvait. Je ne sais pas du tout qui est le modèle par exemple, tu vois. Donc, je ne sais rien. Quand un peintre qui a autant de mal à se dessaisir de ses tableaux en laisse partir un, on peut considérer qu'il admet même du bout des lèvres que l'intention reconnue sur le moment a été non pas complètement remplie, bien sûr, mais au moins approchée. Donc on suppose que s'il veut les garder, c'est par un sentiment d'inachèvement, en fait. Oui, 75, c'était hier. L'étude d'un tableau en termes d'intention à réaliser revient donc à l'analyse de problèmes d'ordre varié. Et le regard rétrospectif à partir de ce qui est fini implique à chaque extrême deux vues en raccourci du flux intentionnel, le fameux flux de l'intention. Voyons ces vues. Mais le fait que nous ayons deux points de vue sur lui donne un certain relief au processus. Pour dire les choses très simplement, nous pouvons comparer l'avant et l'après. L'avant étant en pratique essentiellement fondé sur les tableaux qui ont précédé un peu comme on compare les visages là de Vollard et de Kahnweiler hein, entre les deux portraits, qui sont faits sensiblement dans la même année, mais l'un après l'autre, d'accord, la comparaison permet d'inférer que le second constitue, en partie, hein, une tentative de réponse à un problème perçu dans le premier. Vous y avez entendu longtemps avant de balancer une vacherie sur Picasso. Mais vous êtes déjà tellement soulagé dans les précédentes lectures. Était-ce bien nécessaire <laughs> Conceptuellement, le moindre élément du... Je ne vais quand même pas afficher en, en haut là. Euh, Picasso est quand même un gros salopard pour être bien sûr qu'on ne quitte pas des yeux cette certitude tout au long de cette lecture. Est-ce bien raisonnable Conceptuellement, le moindre élément du processus jusqu'au moindre coup de pinceau nous apparaît sous ce même double aspect. Chaque coup de pinceau est intentionnel, au sens où il a été fait par un homme dont les capacités et les dispositions résultent d'une activité intentionnelle. Hein, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que de supposer un préalable intentionnel avant la pause, mais bien simplement de plonger. Tout le rapport à la peinture, dans ce questionnement fondamental, et dans ce cas-là, on en revient une fois encore à la phrase de Souriau, quand il dit qu'une touche est un jugement, la touche, effectivement, est jugement de toutes les conditions euh, que construit tel ou tel tableau. Toi, tu votes pour l'encart, Picasso est un connard. On y parlait peut-être en concentration, non Sur le problème de l'intention. Mais même lorsqu'un coup de pinceau est posé de manière irréfléchie, il procède encore des capacités et de dispositions acquises au fil d'une activité réfléchie et voulue. Le jambage, donc la, la hampe descendante, si vous voulez, pas de capital, je suis anti-majuscule, glitch, ça n'est pas bien de faire ça. Ne gueulez pas les gens, arrêtez de brailler. Le jambage que je trace avec ma plume quand j'écris le P de problème est irréfléchi, mais il est certainement intentionnel. Il y a bien longtemps, j'ai fait un effort conscient pour apprendre à écrire la lettre P et comprendre le sens de mon action. Si on me sommait de dire pourquoi ma main a fait ce mouvement qui n'a demandé aucune réflexion, je pourrais avancer une cause intentionnelle. Dans ce cas-là, vous voyez une cause historique et lointaine. Mon geste est intentionnel en deux sens. Il relève d'une disposition acquise au cours d'une histoire qui est celle d'une activité intentionnelle, mais aussi d'une action qui participe d'un dessin, donc une vision hein, plus large. Écrire le mot. C'est ce genre d'intention qui sous-tend un coup de pinceau irréfléchi. En même temps, si un coup de pinceau apparaît dans un tableau, on doit supposer que le peintre a décidé de l'accepter ou de s'en accommoder. Donc, quand bien même on peut imaginer des divagations, la question du repentir est une relation à cette divagation acceptée, consentie ou refoulée ne demeure que ce qui a convenu au peintre, même dans les cas extrêmes d'une trace accidentelle, et plus sûrement encore, dans le cas d'une trace volontairement accidentelle. Je ne sais pas trop ce que veut dire volontairement accidentelle. Pour qu'un incident relève de la trouvaille, il faut déjà qu'existent les critères qui permettent de le juger tel, et ces critères constituent une forme d'intention. Je pense que ça, vous l'avez compris. Si vous ne constituez pas un territoire intellectuel et poétique, dans lequel l'événement accidentel qui vient d'arriver peut être saisi et compris par vous comme potentiellement capable de s'articuler à votre travail, alors vous allez le refouler, vous allez l'effacer, vous allez l'écarter pour que vous l'administriez. C'est qu'il fait partie en substance d'un système déjà constitué de pensée sur les formes. D'accord alors, qu'est-ce que vous disiez Je parie que vous parlez encore Picasso Connard. Alors peut-être qu'elle a hérité d'une grosse somme d'argent, donc plus besoin de faire le modèle pour un connard. Donc nécessaire, non, mais ça fait plaisir. Je reconnais que ça n'a pas beaucoup d'intérêt de sortir la remarque du fil du chat. Non, mais on a attendu que le modèle abandonne pour nous abandonner à la vanne euh, sororité spontanée, j'imagine. Euh, oui, il faudrait faire un une Bon Commande majuscule. Euh, on cherche à provoquer un accident. Oui, mais on ne peut pas, ça n'a pas de sens. On ne peut pas chercher à provoquer un accident. Tu vois, le... il y a une aporie quand même là-dedans. Euh, on peut provoquer des conditions de réponse aléatoire du matériau, mais on ne va pas appeler ça un accident. Ça ne sera plus un accident. Donc, on ne peut pas provoquer un... Le dernier mot, je ne sais plus c'était quoi. Je ne sais plus. Euh, parce que j'ai dit plein de choses entre-temps, entre le moment où je, tu peux, je peux lire ta question avec le délai. Normalement, l'explication d'un processus intentionnel ne se situe pas à ce niveau microscopique, comme une carte météorologique ne prétend pas représenter chaque nuage. Les cartes météorologiques décrivent un processus évolutif, à travers un langage statique et à l'aide de symboles conventionnels qui ont une valeur générale. Les mots que nous utilisons ont un peu la même fonction. Nous posons le processus, Alors, le processus en question c'est ce schéma-là, voilà. des intentions et de la rencontre avec la réalité matérielle qui chasse euh, des probabilités de faire, ou de les, de, par lesquelles on décarte certaines possibilités. Nous posons donc ce processus plutôt que nous ne le décrivons. Et nous tentons de rendre compte de ce qui se joue là à l'aide de larges approximations, qui constituent des généralisations sur l'ensemble de l'intention. On va passer au chapitre 8 ou bien Quel arrêt-il bon, On peut essayer de faire ça. On va essayer de finir le chapitre complet, parce que là on est dans les sous-chapitres, il y a moyen. Donc on ne va pas passer à les tableaux et les idées chez Chardin, on va s'arrêter juste... À ça, il y a déjà encore un petit, un petit chapitre, un, un sous-chapitre un peu long, donc on va juste faire ça. <coughs> en m'obstinant à parler du Kahnweiler de Picasso en termes de problèmes, je n'ai fait que suivre ce que Kahnweiler lui-même dit de Picasso. Alors qu'est-ce qu'il dit C'est le début du cubisme, le premier assaut, combat désespéré, titanex, en prenant à tous les problèmes à la fois. Quels sont ces problèmes Ce sont les problèmes fondamentaux de la peinture. La représentation d'objets colorés à trois dimensions sur une surface plane et leur incorporation dans l'unité de la surface. Mais représentation et incorporation au sens le plus strict, le plus élevé qui soit. Car représenter ici ne signifie pas créer l'illusion de la forme au moyen du clair-obscur, mais plutôt démontrer le caractère tridimensionnel de l'objet par le travail du dessin sur le plan. Et incorporer ne veut pas dire composer agréablement, mais bâtir une structure inexorable. En outre, il y a le problème de la couleur, et pour finir celui de l'amalgame, de la conciliation de l'ensemble, point le plus sensible de tous. Donc vous vous souvenez hein, que Kahnweiler a écrit son essai sur le cubisme, je suppose que c'est extrait de ce bouquin. Euh, chemin vers le cubisme. Avec une audace folle, Picasso s'adapte à tous les problèmes à la fois. Il trace à présent sur la toile des formes à angles aigus. On va peut-être se mettre le tableau devant les yeux, comme ça on va voir de quoi il parle. Ce sera mieux. Il trace à présent sur la toile des formes à angles aigus, des têtes et des nus surtout, d'où fuse une gamme de jaune, de rouge, de bleu et de noir. Ces couleurs au tracé filiforme, donc il parle plutôt de ça, servent d'axe directionnel qui s'allie au dessin pour renforcer l'effet plastique. Après des mois de recherche intense, Picasso comprend que le problème ne peut être complètement résolu de cette manière. Suite à une courte période de fatigue, Picasso, meurtri, abattu, se tourne vers des problèmes de pure construction. Il fait alors une série de tableaux où seule l'articulation des plans colorés semble avoir retenu son attention. Délaissant l'infinie diversité du monde, il se réfugie dans la paix immuable de l'œuvre d'art. Et de fait, il s'engage bientôt sur une pente dangereusement décorative. Ça, on a pu le voir quand on confrontait vraiment le cubisme assez fatigant, synthétique. On va clairement, que ce soit chez Braque ou chez Picasso, vers un décoratisme de plus en plus creux, quoi. Dès le printemps de 1908, nous le retrouvons au travail, prêt cette fois à résoudre une à une les tâches qui s'imposent. Il s'agit de partir de l'essentiel. L'essentiel, lui semble-t-il, c'est d'expliciter la forme, de représenter sur le plan à deux dimensions des objets tridimensionnels et leur position dans l'espace à trois dimensions. Comme il l'a dit lui-même, il aurait dit ça, hein, dans un tableau de Raphaël, il n'est pas possible de constater la distance entre le bout du nez et la bouche. Je voudrais peindre des tableaux où cela serait possible. Et là, je ne vois pas très bien ce qu'il veut dire. Euh, J'ai regardé de nombreux tableaux de Raphaël et je ne vois pas l'obstacle à ce qu'il propose. On va le regarder ensemble. Et vous allez me dire la difficulté à laquelle nous devrions être confrontés, que je ne vois pas. Dans un tableau de Raphaël, il n'est pas possible de constater la distance entre le bout du nez et de la bouche. Et là, je pense qu'on parle peut-être. De la question du rapport de proportion absolue. C'est-à-dire la constater en dehors de l'impression subjectivée et illusionniste de la profondeur, comme ça pourrait se faire euh, sur un plan, par exemple. Pour autant, j'ai quand même l'impression que dans l'exemple choisi, nez-bouche, ce n'est pas très bien choisi à cet endroit-là. Parce que l'effet. Le, de l'épreuve subjectivée du regard est si faible qu'au fond, euh, cette distance est quand même appréciable sans guerre de déformation. Enfin bon. Je ne voudrais pas un des tableaux où ça serait possible. En même temps, il est évident que le problème de l'intégration de la composition reste toujours au premier plan. En revanche, le problème de la couleur est complètement écarté. Donc, il en fait un problème secondaire, ce qui, selon moi, est évidemment une des. Euh, la difficulté à y voir une peinture en exercice, c'est-à-dire ce tout-en-un euh, de Roger de pile qui fait la peinture. Quoi. Je ne sais pas si on peut imaginer l'acte pictural comme une série de un problème à la fois. Quoi. En 1923, cependant, le témoignage de Picasso semble assez éloigné de la version de Kahnweiler. « J'ai du mal à comprendre pourquoi on donne tant d'importance au terme de recherche dans la peinture moderne. Pour moi, chercher ne signifie rien quand on peint. L'important, c'est de trouver. On peut y entendre un bon mot qui, selon moi, ne veut finalement pas dire grand-chose, puisque. Peut-être veut-il dire que ces questions, enfin, cette séparation entre recherche et trouver, est du même ordre que la, la co-fondation, finalement. Euh, <laughs> Qu'on avait tout à l'heure entre euh, la, comment, la, la préparation du tableau et sa réalisation. C'est-à-dire que, comme une seule et même chose, peut-être que c'est ça qui nous dit que le peintre n'est jamais vraiment en train de chercher un objet distant, il est toujours sur le trajet. Quoi. On m'a accusé de bien dépêcher, mais dire que mon travail est essentiellement animé par un esprit de recherche, c'est le comble. Quand je peins, je veux montrer mes découvertes, je veux pas montrer mes recherches. En art, il ne suffit pas d'avoir des intentions. Comme on dit en Espagne, l'amour doit se prouver par des actes. Les raisons ne sont pas de mise. C'est ce qu'on fait qui compte et non ce qu'on avait l'intention de faire. La peinture s'est souvent fourvoyée à cause de cette idée de recherche. Les artistes se sont perdus en élucubration mentale. Peut-être est-ce là le défaut principal de l'art moderne. L'esprit de recherche. Voilà ce qui a perverti ceux qui n'ont pas vraiment saisi tout ce qui y avait de positif et de concluant dans l'art moderne. Je pense que là, ils visent clairement l'espèce de, de cubisme quasi mathématisé euh, de Glaise, Messinger, euh, et les autres oiseaux. Hein. Car à partir de là, ils ont voulu peindre l'invisible qui, par définition, ne peut se peindre. Alors là, ils se trompent, puisqu'évidemment, peindre l'invisible, ça a été le plus gros de l'activité picturale au Moyen Âge. On ne va pas revenir là-dessus, c'est un autre problème. Si mon travail est marqué par des styles différents, il ne faut pas voir là une évolution, une série d'étapes vers un idéal pictural inconnu. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour le moment présent. Ce qui veut dire aussi implicitement qu'à chaque moment, son co-présent, pour Picasso, hein, tous les tableaux ont déjà réalisé. Le présent, c'est cette totalité-là, évidemment. Kahnweiler, qui lisait beaucoup de philosophie, avait sans doute tendance, lui, à intellectualiser. Il est certain aussi qu'en 1922 ou 1923, Picasso vit une période très difficile. Il est désorienté et ses déclarations ont quelque chose de schizophrénique. N'en voulait pas trop à Backsandal d'employer ici le mot schizophrénique qui, au moment où il écrit, était abusivement employé pour euh, dire contradictoire, hein, euh, violente contradiction, une skise, un terme fréquemment utilisé à ce moment-là pour parler d'une séparation brute, peu, quasi oxymorique euh, du sujet. En même temps, il prend plaisir à refuser les clichés du moment. Mais admettons pour l'instant qu'on ait là deux descriptions de l'état d'esprit de Picasso en 1906-1912 et qu'elles soient justes toutes les deux. Il y a cependant un risque d'équivoque. Normalement, un problème qu'il s'agisse de logique, de géométrie ou de questions d'ordre pratique, comporte deux aspects. La situation exige qu'on fasse quelque chose, mais exclut toute réponse de type purement mécaniste ou strictement réactionnel. Le terme évoque aussi une idée de difficulté, avec le mot problème. Mais un problème n'est pas perçu de la même manière selon la place qu'on occupe. Un problème, pour celui qui doit le résoudre, c'est une tâche difficile qui exige une réponse adéquate. Alors que ce qui fait problème quand on est en position d'observateur, c'est la conduite intentionnelle de l'autre qu'on souhaite comprendre. Donc la mise en problème du monde, la problématisation du monde. Penser en termes de recherche et de solution est une façon d'interpréter les actes que d'autres accomplissent intentionnellement. Ça se fait encore beaucoup d'employer ce, de cette façon le mot schizo. Oui, assez souvent, docteur, complètement. Avant, on employait, enfin, moi quand j'étais ado, le terme autiste, par exemple, était systématiquement employé pour parler de gens dans leur coin, vivant dans leur monde. Voilà, bon, cet usage-là du terme autiste a quasiment disparu. Le mot schizo, je pense, cessera d'être employé pour parler, pour cette image-là, à mon avis, tôt ou tard. Mais l'acte qu'on observe, Peut avoir un caractère intentionnel sans que celui qui l'accomplit ait conscience de répondre à tel ou tel problème. Et quand l'observateur appartient à une autre culture que le sujet de l'action qu'il occupe, ce qui n'est pas le cas de Kahnweiler, hein, mais celui de l'historien, sur lequel nous ne reviendrons que bien plus tard, il peut s'imaginer qu'il y a recherche de solutions là où il n'y a finalement qu'habitude. A ah oui, fortiori, on a évoqué tout à l'heure que la chaîne des contingences qu'on suppose peser sur l'exercice de réalisation d'une chose, nous n'en voyons de toute façon que le maillon que nous voulons supposer le plus proche est donc le plus significatif. Mais les maillons de contingence, effectivement, comme le dit euh, Baxendal, s'abouchent à l'habitude. C'est-à-dire que la solution à un problème momentané, un problème qui peut être posé à telle date dans une situation, par exemple, un peu nouvelle, hein, où il faut répondre dans ce cas-là avec des réponses neuves à une situation neuve, elle ne demande qu'à s'instituer. On pourrait dire que presque toute résolution d'un problème a un avenir instituant. À partir du moment où il est où la, la réponse à ce problème est instituée, alors sa réapparition, la réapparition de cette solution devient usage, devient habitude. Elle n'est plus pour euh, ceux et celles qui s'en emparent la réactualisation du problème comme problème. Elle n'est plus que l'usage de la solution à tel problème, tout simplement. L'histoire de la peinture... Et constitué de nombreuses séries de ces propositions. Et si par exemple nous recevons en premier lieu euh, tel objet qui est la conséquence d'une série d'habitudes, mais que c'est la première fois que nous sommes confrontés à cette réponse, alors on aura toujours tendance à la prendre pour le problème lui-même. C'est seulement quand nous aurons trouvé des œuvres antérieures qui posaient déjà le problème et qui répondaient déjà de telle façon, de la même façon, qu'on se dira, ah oui, en fait, le problème avait été posé antérieurement et il y avait été répondu antérieurement. Je suis clair <laughs> Il n'y a qu'habitude, il y a simplement eu transmission culturelle des ficelles dont tel ou tel acteur pouvait avoir besoin pour résoudre sans autre moyen réfléchir un problème dont il ignorait même l'existence. en cherchant à repérer des problèmes, l'observateur ne fait alors que reproduire des schémas d'analyse qui l'ont accoutumé à penser en termes de moyens et de fins. il plaque un schéma purement formel sur l'objet qu'il étudie. salut farid de musset. en logique, l'indécence technique de problème renvoie à la question que contient implicitement euh, le syllogisme. Alors pour ceux celles qui l'ignorent, syllogisme. Oh, Peut-être que vous avez appris ça à l'école. Hein. Ne m'en veuillez pas trop si je vous parle de trucs que vous connaissez par cœur. Mais pour ceux celles qui l'ignorent, le syllogisme, c'est un terme un peu barbare qui vient vraiment de la construction euh, des euh, constructions des, des comment de la logique formelle euh, antique, hein, notamment euh, aristotélicienne. C'est un formalisme logique, le hein, syllogisme, qui a euh, a probablement été formé par Aristote lui-même, on le retrouve déjà dans ses premières analytiques, dans l'organone hein, d'Aristote. C'est un raisonnement euh, déductif, qui est fondé sur des relations d'inclusion et d'exclusion, hein, de, de propositions, des ensembles, si vous voulez, euh, qui ne propose pas d'autres présupposés, donc pas d'autres choses euh, posées comme premier terme, et comme terme suivant, comme terme qui suivent ce premier terme. Que toutes les propositions qui sont en présence. Voilà, il n'y a qu'elle euh, qui constitue, si vous voulez, le problème. Donc il y a trois propositions dans un syllogisme classique. Il y a euh, les deux prémices, voilà, hein, ce, qui est, ce qui est en premier lieu, qui vont amener vers une conclusion, ce qu'on appelle la majeure, euh, ce qu'on appelle la mineure, et puis ensuite, ben, la conclusion par l'articulation de la majeure et de la mineure, hop, dans des, un processus logique comme ça, d'inclusion des propositions. Euh, le plus connu pour vous l'illustrer des syllogismes, comme je suis paresseux, je n'ai vous... pas envie d'en chercher un autre. Je pense que depuis des, des siècles, tout le monde se donne le même foutu syllogisme par paresse. C'est euh, tous les hommes sont mortels, donc ça c'est la majeure, tous les hommes sont mortels. Socrate est un homme, ça c'est la mineure, qui inclut le sujet Socrate à cet endroit-là, dans l'ensemble de la majeure, tous les hommes, et donc conclusion, donc Socrate est mortel, puisque tous les hommes sont mortels, et ça c'est la conclusion. Voilà. Donc, c'est un, un terme, comment dire, euh, euh, qui a pris un tour un petit peu péjoratif. On parlait des, de l'usage des, des mots euh, qui, qui se dévident de leur cause euh, qui deviennent péjoratifs. Euh, on parle souvent d'un syllogisme pour parler d'un raisonnement un peu trop formel, un peu, un peu trop conventionnel, qui serait détaché euh, du monde des choses et sans lien avec la réalité. Voilà, voilà. Bref, pourquoi je m'arrête là Oui, on en était sur les habitudes. Alors, si le genre. Prenons. Ah, bah voilà. <laughs> je suis con, c'est drôle. Prenons. Tout homme est mortel, or Socrate est un homme, dont Socrate est mortel. Vous voyez, quand je disais qu'en fait, on était tous, tous les intellectuels sont des paresseux. Les silosistes, ça les fait chier, ça fait trop longtemps que ça dure, donc ils prennent tous le même. Bon, promis, je vais en bricoler un, plus ou moins convaincant, pour oublier à jamais Socrate et les hommes, parce que c'est vrai que c'est un peu ridicule. Le problème qui se dégage de cette séquence est Socrate est-il mortel et la solution est donnée dans la conclusion. Mais nous pouvons faire des propositions fidèles au style du syllogisme sans jamais véritablement donner au problème la forme d'une question. C'est même fréquemment le cas. Le problème n'en est pas moins résolu. Et si quelqu'un observe notre raisonnement, il comprendra que le problème appartient à la structure sous-jacente de notre comportement. Il sera clair pour lui que ce sera ce vers quoi nous tendons. Et c'est la recherche d'une solution. Picasso et Kahnweiler sont dans une situation à peu près comparable. Picasso agit comme il le fait et trouve des conclusions, ou on va appeler les conclusions de Picasso des tableaux si vous préférez, et Kahnweiler lui cherche à comprendre sa conduite en formulant une suite de problèmes implicites. Critiquer sa tentative reviendrait à nier toute espèce de direction dans la conduite de Picasso. Position difficile à tenir dès qu'on a affaire à un peintre aimant certains tableaux plutôt que d'autres, et no, même notamment dans sa propre production. Ce qui veut dire que, parce qu'il peut laisser supposer une problématisation, c'est que ce choix postule, un peu comme ce qu'il disait par rapport au dessin préparatoire qu'il voulait garder, l'organisation générale du, de la peinture, du fait de peindre, du fait de produire des tableaux, avec une possible hiérarchie correspondant à l'assouvissement d'une directive. Le fait que des tableaux soient abandonnés, que d'autres soient poursuivis, qu'il soit difficile pour Picasso de s'en séparer, que les dessins préparatoires soient aussi importants, le fait qu'il préfère certains tableaux au point de dire par exemple de la jeune fille à la mandoline c'est pas très grave si on l'a arrêté au fond ça valait peut-être mieux. Donc toutes ces choses évidemment, vont dans la direction de direction prise par Picasso, ferme, de là à postuler potentiellement des intentions, des horizons, des objectifs picturants, intellectuels, etc. Donc une problématisation. Quoi. Picasso l'acteur et Kahnweiler l'observateur ont donc un point de vue différent sur les événements de ces années 1906-1912. En même temps, leurs expériences n'est pas du même ordre. Pour Picasso, suivre des directives, qui hein, ne sont pas forcément énoncées, on a bien compris, affronter de grandes questions signifiait dans une large mesure suivre ses propres goûts ou, ses, ou obéir à, à ses propres répulsions en matière de peinture. Ceci valant en particulier pour ses propres tableaux. Il n'avait pas besoin de formuler explicitement les problèmes qu'il affrontait. A fortiori, vous l'avez compris, parce que ceci continue de s'exposer dans un tout au long constructif. En fait, son action se situant au niveau du processus, son attention était toujours ancrée dans l'instant présent. Tout son temps allait aux problèmes secondaires qui ne cessaient d'affluer. Comme ils le disent, ce qui devait prévaloir, c'était le sentiment de trouver plutôt que celui de chercher. En un sens, comme ce sont ses propres dispositions qui évoluent entre 1906 et 1912, sa peinture, de son point de vue, devait aller presque de soi. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle va presque de soi Ça veut dire que dès l'instant où on accepte ces deux conditions, problématisation de la peinture par elle-même et Progressus à l'intérieur même de la durée d'expansion du tableau, alors évidemment, euh, charpenté par euh, ces deux lignes directrices, la peinture va de soi. En un sens, Pardon, oui. Mais même pour trouver, il fallait des critères susceptibles d'établir ce qu'est une découverte. Le fait que Picasso n'ait pas toujours réfléchi consciemment sur les critères qu'il utilisait ne veut pas dire qu'il n'en possédait pas. Or, posséder des critères au moyen desquels il devient possible d'évaluer son propre travail, c'est agir de manière intentionnelle. Le seul donné dont disposait Kahnweiler, en revanche, c'est une série de tableaux difficiles. De son point de vue, ces tableaux ne constituaient pas la conclusion d'une action, mais un point de départ. On en revient à la question glitchéenne, sur laquelle on ne va pas revenir, mais précisément, dans ce cas-là, ça valait peut-être peine, la peine, effectivement, que j'ai pris autant de temps pour tenter d'y répondre. Je pense qu'on y voit un peu plus clair. Aborder un tableau, pour lui, voulait dire se trouver devant un produit fini, exécuté par un autre, et qu'il fallait tenter de comprendre. Notamment évidemment parce que dans ce processus de réalisation, la question de la justification de la touche de peinture est prise elle-même dans un continuum qu'on ne peut pas dénouer, qu'on ne peut pas discrétiser en une série d'unités. Vous avez bien compris toute la fluidité qui euh, assemblait les touches entre elles. Ce qui veut dire que d'une certaine manière, le tableau achevé est toujours une découverte. Ce qui à chaque instant coulait de source pour Picasso lui apparaissait comme la marque d'une singularité qui demandait à être comprise. Il voyait aussi les événements de plus loin. Moins sensible au progrès de tel ou tel travail, il était surtout attentif aux différences qui pouvaient traduire une évolution entre les toiles. Donc avoir une vue d'ensemble d'étoiles entre elles, qui d'une certaine manière font saillir non pas les problèmes qu'il est censé connaître, mais finalement les jeux d'assonance ou de différence qui les ont matérialisés sous telle ou telle forme. Dans ce cas-là, les conclusions seraient à trouver dans les résonances entre ces choix et la mise à l'écart de, de, de ce qui, qui n'est pas apparu. Donc, choix, on pourrait dire, positif et choix euh, négatif. Choix des choses qui s'y sont affirmées et mises à l'écart, hein, qui sont mises en commun à chaque fois de, comme solution au problème. Se reporter à une intentionnalité était pour lui une manière de se rendre tout ceci intelligible. Et dès lors, il était forcément conduit à penser en termes de moyens et de fins. Il s'appuyait pour ça sur des analyses de ce qui se passait chez Picasso par rapport à d'autres peintres, et aussi sur les changements qu'il pouvait percevoir dans l'œuvre de Picasso à travers le temps. Ce qu'il tente en fait de verbaliser, avec des termes ostensifs bien choisis, c'est la manière propre qu'il a de comprendre l'intérêt de ce qu'il voit. Il n'y a pas véritablement contradiction entre Picasso et lui. Leur position est simplement différente. J'arrive tout de suite, je vais me prendre un petit verre d'eau. Donc, on en est à essayer de comprendre. Alors, je ne sais pas si on est en train de, de dégager les rapports d'intentionnalité réellement là, ou euh, les perspectives euh, différentes, et absolument inconciliables, ça ne veut pas dire contradictoires. Hein. Euh, de s'imprimer soi-même, c'est-à-dire d'apparaître dans euh, ses intentionnalités, selon qu'on est Kahnweiler ou Picasso, en regardant la peinture de Picasso. C'est-à-dire que. Il y a une primauté chez Picasso du résultat, en tant qu'il va être promesse d'une poursuite du travail. La question de l'intentionnalité, finalement, Négligeable, euh, comment, euh, dans euh, sa vision générale, euh, formulable, en tant que euh, directive finalement, en regard de la continuité de situation que représente la production des tableaux eux-mêmes, euh, qui sont plus vecteurs de cette intentionnalité supposée, euh, qu'ils en sont l'expression, c'est-à-dire la réponse euh, pas à pas, quoi. Ils sont la poursuite, finalement. L'assurance, que celle, la garantie que celle-ci se, se continue dans la peinture. Pour Kahnweiler, il y a une vision d'une autre nature qui vise à essayer de comprendre plutôt dans une perspective beaucoup plus vaste et générale en tant que collectionneur, en tant qu'homme écrivant sur le cubisme. Si, comprenant quelque chose... De ces directives euh, potentielles de Picasso, il peut aussi comprendre tout ce qui va avec, c'est-à-dire au fond, un moment de la peinture dans laquelle, en tant que collectionneur, il est lui-même pris. C'est le seul moyen d'établir pour lui quelque chose qui ne va pas être le jugement de ce par quoi la peinture continue. En elle-même, ce que le peintre fait. Hein. Mais plutôt la construction d'un système de goût, donc un jugement de goût, euh, qui va renseigner Calvailer sur ses propres raisons d'avoir choisi Picasso plutôt qu'un autre dans l'infinie variété des productions qui l'entourent. Il espère peut-être, mettant le doigt sur l'intentionnalité, comprendre par la raison la bonne motivation qu'il y aurait à euh, choisir euh, Picasso plutôt qu'un autre. Le cas particulier de Picasso et Kahnweiler n'est cependant pas si simple. Les, les cas particuliers ne le sont jamais. L'analyse que propose Kahnweiler est extrêmement précieuse. Il ne fait pas de doute qu'il parvient à convaincre son lecteur qu'il est bon de lutter contre des problèmes fondamentaux quand on crée. Mais l'important est que Picasso partage en partie avec lui la culture qui véhicule ces valeurs. Autrement dit, Kahnweiler nous fournit des éléments concernant les possibilités qui s'offraient à Picasso dans l'espace du troc. On ne peut pas croire que Picasso n'ait pas eu conscience de leur existence. Donc là, la mise en évidence de ces problématisations par Kahnweiler, l'intérêt aussi de rendre saisissables les types de liens que Picasso entretient avec le monde qui lui est pré contemporain, si vous voulez, euh, les autres peintres, les, les salons, les directives césaniennes etc. Choses qui sont pas spécifiquement exprimées, en tout cas pas dans les mêmes termes par Picasso lui-même, qui sont euh, peut-être précieuses pour euh, comprendre quelque chose d'une complexion générale finalement euh, de la peinture à ce moment-là, mais aussi de la peinture de Picasso dans ce moment euh, général de la peinture euh, en France. L'événement extraordinaire qui se produit en 1906-1912, c'est que la substance narrative du tableau passe tout à coup dans le langage représentationnel de formes et de couleurs visuellement perçues. Donc quitte si vous voulez euh, la subordination du tableau. A un intérêt euh, premier qu'on pourrait dire un intérêt narratif ou littéraire de la chose représentée de la scène représentée un argument bon ça a un peu disparu euh, auparavant mais l'argument n'est pas forcément euh, argument au sens pompier du terme la grande peinture a un grand sujet il y a aussi pour les impressionnistes un argument extérieur qui est une conditionnalité de la peinture euh, à euh, une situation à expérimenter, sensible, dont on rendra compte. Alors que là, il s'agit plutôt de constituer un type de rapport à l'intérieur du tableau avec un objet. Ce n'est pas tout à fait la même perspective, vous voyez Picasso avait longtemps penché pour des sujets qui se rapprochaient singulièrement du type de problème de la peinture victorienne. On pense à la vie, par exemple, mais aussi au, au premier jet des, des futures demoiselles d'Avignon, où apparaissait un marin, un étudiant et un crâne. Longtemps aussi, il avait peint des acrobates et aussi des d'autres saltimbanques vêtus en habits de fou. Ils surgissent souvent après la représentation, par ailleurs. Des autoportraits, des personnages se regardant dans des miroirs, etc. Alors, je vous ai amené quelques peintures de cette période désastreuse euh, où on voit que l'argument qui se tient compte beaucoup, au fond, euh, pour son impressivité sur le mode de relation qu'on va entretenir avec l'objet peint. Donc, pas seulement les problèmes picturaux qui se mettent en branle. Alors, je ne vous ai pas pris des ça aurait été un peu long, donc j'avais le choix dans les multiples propositions de bach hein, dans, dans tout ce qui était là, et je vous ai pris juste des, euh, la série des Acrobates. On ne va pas en garder 140, là c'est une aquarelle. Donc vous voyez à, à quel point malgré l'intensité finalement de, des problèmes picturaux qui s'y jouent. C'est quand même assez puissant. C'est comme si euh, l'autorisation nous était faite à nous aussi en tant que spectateurs, de nous abandonner à un problème pictural parce que quelque chose d'autre avait subordonné l'existence de l'image à une cause préalable, digne d'intérêt, et dont la valeur impressive serait directement liée au caractère social, euh, euh, enfin surtout, quoi, social, politique, etc., des scènes représentées. Moi, je pense que vous avez déjà vu hein, souvent une bonne partie de ces tableaux. Il vous donne un petit aperçu de ce dont parle Baxendal pour évoquer ces périodes-là de la peinture de Picasso. Pour autant, vous acceptez l'idée qu'à chaque fois, on s'y pose des vrais problèmes de peinture. D'ailleurs, un arlequin est un problème de peinture à proprement parler. Donc, il y en a beaucoup hein, de, de pièces de cette période. On en représente toujours les deux, trois mêmes, mais euh, vous voyez là, je vous en montre un sacré paquet. Voilà. Donc, on en est là. On va là-dessus. Juste pour le plaisir. hop, Voilà, pour le plaisir. Euh, en 1906-1907, ces sujets ont pratiquement disparu. Picasso revient au pur genre infranarratif de la tradition, donc c'est quoi C'est le nu, la nature morte, le paysage, le portrait. Et en même temps, les thèmes narratifs antérieurs sont absorbés dans l'acte pictural. Ce qui était jusque-là simplement dépeint sur la toile prend maintenant la forme d'une méditation acrobatique, parfois badine, en tout cas sans effet théâtral, sur son propre processus perceptif. Mais surtout, les tableaux jouent maintenant sur des problèmes d'un genre nouveau. Ses problèmes sont de deux ordres. Picasso veut intriguer le spectateur, car il sait sûrement que ses toiles sont difficiles à comprendre. Mais en même temps, il lui donne à voir les étapes de la découverte d'un problème et les étapes de sa solution. Donc il y a une exposition, on pourrait dire finalement, que toute peinture expose euh, à la fois les étapes de son problème et euh, les étapes de euh, la réponse qu'elle y apporte, dans une certaine mesure. C'est-à-dire au même titre que euh, on peut comprendre, bon, le, quand je vous évoquais tout à l'heure euh, les Marmi finchi de Fra Angelico, on en voit le programme intellectuel et théologique qui s'y joue, Hein, et qui constitue monde dans son caractère pictural pour faire apparaître, bon, en l'occurrence, quoi, l'annonciation faite euh, à Marie euh, dans la, la partie supérieure de la peinture. Donc, on voit évidemment les marmi finiti dans la partie inférieure de la peinture servir de processus d'exposition du problème qui dit. Qu'est-ce que l'incarnation par rapport à la peinture Donc, on va commencer par là. Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette insémination euh, d'un corps de chair, d'un corps matériel par un souffle euh, qui n'appartient pas au même monde, qui appartient au domaine spirituel Voilà, ce n'est pas un programme, c'est une problématisation picturale qui nous apparaît. Problématisation picturale qui nous apparaît également dans les configurations de Marmi-Finci de. Euh, de Godel Castagno, que, dont, dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça, ça accompagne toute l'histoire de la peinture. La peinture impressionniste aura été assez forte, finalement, pour s'exposer en tant que problème et série euh, d'exposition des solutions apportées à ces problèmes. Mais c'est particulièrement remarquable dans le caractère assez restrictif, finalement, de la peinture de Picasso, euh, de la peinture cubiste, si vous voulez. Donc, il lui donne à voir les étapes de la découverte. Picasso devient alors un acrobate cognitif d'un genre remarquable et même euh, éblouissant. Lorsque Karnweiler tente d'expliquer ces années-là, sa position est certes celle d'un observateur extérieur, mais il nous parle aussi de l'intérieur d'une culture, d'un aspect de la directive de Picasso. Bien sûr, c'est tout un ensemble de choses qui fait que l'entreprise du cubisme nous donne tant de plaisir. Il y a d'abord l'extraordinaire talent de Picasso et de Braque. Euh, en raison du rôle joué par ce dernier, l'épisode Cubiste de Picasso ressemble par moments aussi bien à un dialogue qu'à un autoportrait, et la vigueur avec laquelle il mène cette entreprise épique, pleine de rebondissements, pendant cinq ans et plus. Mais il y a aussi le fait que Picasso remplit la première condition d'une véritable recherche qui consiste à choisir les bons problèmes. C'est précisément parce qu'il commençait à apparaître dans le langage qu'ils utilisaient dans les années pré 1905-1906, que ce langage prête à si bien par la suite à leur développement et à leur traitement. Quand Picasso commence à les mettre en forme dans les Demoiselles d'Avignon, il ne choisit pas arbitrairement les éléments d'un dispositif qui n'aurait pour but que de lui permettre d'exécuter de simples pirouettes athlétiques. Ce sont ses problèmes. A nouveau, c'est à juste titre que Kahnweiler parle de problèmes fondamentaux. Les problèmes que Picasso identifie en lui-même avant de les mettre en forme sont des problèmes réels et importants, qui ont trait aussi bien à la peinture qu'au monde visible. Mais dans le contexte présent, ce qui est fascinant dans le portrait de Kahnweiler et dans les tableaux de 1906-1912, c'est que la matière narrative est elle-même une forme de l'intention. Là, on arrive à comprendre le sens de ce titre de livre. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas avoir accès à l'intention en tant qu'intention. Par contre, ce que nous comprenons du dispositif spéculatif et constructif de la peinture à cet endroit-là, c'est qu'il est forme de l'intention. C'est-à-dire qu'il prend en tant que configuration, en tant que durée et en tant que série de... Touches qui sont les prémices à la suite des touches, prises dans une problématisation plus générale, appartement à des questions de peinture, eh bien, nous avons, nous assistons à la forme de l'intention comme exposition du problème. Alors, euh... petit neuf, ultime sous-chapitre de ce passage. Résumé, c'est généralement ce qu'on fait après ça, après tout ça. Alors, qu'est-ce que vous nous avez raconté de beau, que je vois un peu Est-ce qu'il y a des choses intéressantes, des questions dans le chat Ça m'a l'air une fois de plus d'être sur tout. Alors, on a Suze qui n'arrête pas de faire des blagues. Donc, Suze qui a l'air de parler tout seul à un bon moment. À ce que je vois, ça va te friser. évidemment. Suze prétend qu'elle est adolescente. Ok. Date de naissance de l'aile de Mars, tatati. Euh, Cleen va se coucher. Des calembours. Contradiction. Ha <laughs> ha. Un verre d'eau, une chicorée. Il est breton un breton honteux, que des conneries Farid de qui s'y met évidemment, puisque vous êtes parti dans les calembours il n'y a pas de raison qu'il ne s'y prête pas quelle honte des tâches, on ne va pas en faire aucun effort toutes ces moitiés de moi que j'ai laissé dans le délit même Glitch ne dit que des conneries super, je vois okay. et eh ben bravo, il n'y a pas une phrase qui mérite d'être relevée pour qu'on en dise quelque chose Eh bien je vois que non honte sur vous Comment ça Ça bug chez toi en plein suspense D'accord. C'est chez toi ou chez moi Parce que comme j'ai dit que ça allait déconner, ça peut déconner ici. Hein. Le résumé. Bande de Zozo. J'ai d'abord montré que parler de l'intention d'un tableau, c'est pas raconter des événements mentaux, mais décrire les conditions d'apparition de ce tableau. En se fondant sur l'hypothèse que celui qui l'a fait agissait de manière intentionnelle. J'ai suggéré que le mode général du peintre, qui est de produire un objet présentant un intérêt visuel intentionnel, vous vous souvenez hein, qu'on a parlé de cette question de ce que ça pouvait bien recouvrir comme sens à la lecture précédente, on ne va pas y revenir, devient dans chaque cas particulier une directive spécifique, qui dans l'ensemble peut très bien prendre pour lui la forme d'une relation critique à des tableaux antérieurs. On a pu le remarquer tout particulièrement dans cette construction-là. Et j'ai dit que lorsque nous proposons des concepts pour rendre ce type de relation, nous tentons en fait, selon la logique propre à notre analyse, de rendre la diversité de ses attitudes vis-à-vis -vis de la peinture qui l'a précédée, telle que nous pouvons les inférer à partir de ces tableaux. J'ai insisté ensuite sur le fait que s'il élabore cette directive pour lui-même, il le fait cependant dans un contexte culturel donné où il est aussi un acteur social. Et j'ai estimé que dans le cadre d'une critique... Inférentiel. On pouvait se contenter de rendre cette dernière relation par un modèle d'échange ou de troc, où les satisfactions qu'offrait sa peinture lui venaient en retour sous la forme d'une confiance accrue en soi, de contrariété, d'idées, de rôles, d'héritage, de capacité et d'espèces sonnantes et trébuchantes aussi, ne les oublions pas. Hein. J'ai par ailleurs souligné qu'il y avait interférence entre ce type de troc et les formes et les ordres propres au marché, au sens courant du terme. Il m'a semblé important de noter que le troc et le marché offrent l'un et l'autre un choix au peintre, qui agit en retour sur la culture qui l'entoure. Et après avoir dit que je ne voulais pas parler d'idéologie ou d'influence, j'ai montré que pour le peintre, le problème complexe que pose la création d'un tableau digne de ce nom prend la forme d'un jeu évolutif. Qui serait défini en permanence dans la mesure où dès que le peintre entre dans le processus de réalisation d'un tableau, il est amené à reformuler à tout instant le problème qu'il traite. Au fil de tous ces raisonnements émergeait une vue extrêmement schématique du Picasso de 1910, vue dont la naïveté sera rachetée par le fait qu'elle suppose un jeu de va-et-vient avec les tableaux eux-mêmes, qui nous ramène à une forme de complexité. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions mmh. Ah, t'as créé un syllogisme que j'ai raté, Farid. Je suis vraiment désolé. Bah, merde alors. Même Glitch, j'ai l'impression de le savoir Oui, je suis tellement déçu. Déçu. <laughs> Ce qui laisse quand même supposer que, en fait, j'attends beaucoup de vous. D'où ma déception, forcément. Que vous vous évertuez à prodiguer live après live. <laughs> vous êtes des grands dispensateurs, dispensatrices de déception. Vous y prenez beaucoup de plaisir. Alors, qu'est-ce que je vais faire, ah, camarades, les gens Qu'est-ce qui vous ferait plaisir après ça Bon, j'espère que ça vous a intéressé. Euh, de toute façon, ça fait euh, 3h40. C'est bien long, je pense, pour un pour un live euh, sur un tel sujet qui demandait quand même beaucoup de, de décorticage et euh, de précision. Donc, euh, c'est important euh, d'avoir pris le temps. Euh, J'espère que les explications ont été un peu claires sur les nombreux concepts mobilisés par Baxandal et puis les propositions qu'il fait. Euh, Baxandal semble avoir été peint. Mais pas que je sache, euh, Louisa, ce qui m'étonne. Hein, mais effectivement, il a une acuité. Euh, sur ces problèmes qui est pas si fréquents chez les historiens d'art et notamment sur le la question de la durée mais je crois avoir compris que euh, comment que est un Bergsonien donc que c'est des questions qu'il a pu se poser en ces termes qu'il a pu se poser avec Bergson et euh, que c'est pas pour rien qu'il soit si sensible à tout ce qui se manifeste dans un tableau fini de tout ce qui l'a précédé comme expérience de vie et pas simplement, tu vois, comme moment d'histoire, comme système de connotation, comme organisation d'opérateurs de signification. Il a vraiment un regard euh, très accru sur la, les, la, le problème pictural pris dans sa réalisation même. C'est important pour moi, d'ailleurs. C'est ce qui me rend Baxandall si important et c'est pour ça que je le trouve si fin. Mais on lira d'autres gens, si vous voulez, d'autres historiens d'art que j'aime. Ce serait intéressant d'avoir un, un panorama là. J'aimerais bien lire avec vous un peu de Louis Marin, peut-être du Damiche, euh, sur Piero della Francesca, par exemple. Mais comme ça, on pourrait avoir un panorama de l'histoire de l'art quand elle est passionnante. et Ça, ça vaudrait le coup. Bon, voilà, voilà. Euh, Est-ce qu'on irait parler des quelqu'un Il y a Claude eh on pourrait faire ça. Ils sont déjà 95, mais on ne les a jamais raidés. Donc ça pourrait être sympa. On va faire ça. C'est Voyage et Nature chez Clotlo. Je ne sais pas si vous connaissez la chaîne. Hop, Clotlo. Est-ce que ça vous va et, euh, et je vous dis à bientôt. Il est possible qu'il y ait un live. Comment euh, Rapport à la durée bergsionnelle, l'achoppement bergsionnaire, la perception à l'action. Bah, euh, je pense que là, la... on, on, on fera un truc. Je, je pense que la prochaine fois, on pourra à, à, directement inclure le, le caractère bergsonien de Baxendal dans le chapitre. Ce serait peut-être plus intéressant que de faire ça comme des rapides euh, là en deux minutes à la fin d'un chapitre parce que je pense qu'on ouvre à une perspective complète euh, avec Bergson. Donc, ce serait dommage de gâcher ça. Euh, donc, on va plutôt aider Cloto et on parlera de ça la, la prochaine fois. D'accord Pas à mon vouloir, mais là, je botte en touche, mais euh, ça me paraît plus malin. Voilà. Bon, je vous embrasse et on va chez Cloto. Je vous souhaite une bonne nuit. Euh, soyez gentils, évidemment. Comportez-vous bien. Saluez tout le monde euh, avec euh, douceur et bienveillance. Et tout ça. Euh, je vous dis à très bientôt.